We'll be right back.
Salut les amis, salut, je pense que vous m'entendez, enfin je l'espère, vous me confirmerez sur le chat. Bienvenue pour cette soirée complètement dingue. Donc effectivement, il y a pas mal de particularités ce soir. Premièrement, on fait un live jeu le dimanche, ce qui est plutôt rare, mais comme c'est les vacances et qu'il n'y a pas de Radio Geek, eh ben pourquoi pas. Et deuxièmement, comme vous pouvez le constater, il y a ma chère et tendre qui est à côté de moi, qui est enchantée de faire Bonsoir. ce live. Donc, effectivement, je vais expliquer que c'était pas vraiment un jeu, c'est plus un film interactif. Mais j'ai lu vraiment par hasard qu'il y avait une possibilité, c'est de rendre ce jeu compatible avec le chat de Twitch. Donc voilà pourquoi on le fait sur Twitch et non pas comme habituellement sur YouTube, car malheureusement le jeu n'est pas compatible YouTube, mais uniquement avec le chat sur Twitch. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un film interactif, vous allez devoir choisir entre différentes options. Par exemple, est-ce qu'on va ouvrir la porte, est-ce qu'on ne va pas ouvrir la porte? Et il faudra taper sur le chat un ou deux en fonction de ce que l'écran vous montrera. Et c'est les votes sur le chat qui auront eu le plus de voix qui seront sélectionnés automatiquement par le jeu. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'ai même pas à toucher la manette d'après ce que je comprends. Donc on en profite pour faire un coucou à toutes celles et ceux qui sont sur le chat. On a un deuxième écran, c'est pour ça qu'on regarde à gauche actuellement où on voit le chat. Donc il y a Nico Treff, et d'ailleurs Nico Treff qui est avec nous. Est-ce que ça va, Nico? Nickel, ça va nickel. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur, dame. Et voilà, j'espère qu'on va passer une très bonne soirée. Bah oui, c'est certain, on va s'éclater si ça fonctionne, parce que je vous avoue qu'on va le découvrir en même temps que vous. Je connais pas du tout le jeu. Il y a Pascal, on a proposé à Pascal de participer à nos côtés, mais il n'a pas l'air disponible, peut-être qu'il passera après. En tout cas, on fait un coucou à Ophilippos, on fait un coucou à Eida, qui est là aussi, qu'on a rencontré sur Arras, tu te rappelles. Il y a Jif, Mister Jif, mon frère siamois. Qui est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Mamie, il y a Mamie Gaming, et oui, Mamie, elle est là. Il y a Rabzouz, que j'ai rencontré récemment. Eh bien, écoutez, ça fait. Il y a Size, Mr. Size, qui est là. Mr. Size, que j'ai rencontré à Paris récemment aussi. Il y a José qui vient d'arriver. Eh bien, écoutez, on a de quoi s'amuser. J'espère qu'il y a Esgate qui est là aussi. Eh bien, salut Chris. En tout cas, le but est simple. C'est hyper original. C'est vraiment que le chat va jouer au jeu. C'est un truc complètement fou. Mais pourquoi pas? Il y a Cat in Game qui est là également, qui nous follow. Eh bien, bienvenue à vous toutes et tous. Moi, je vous dis simplement, je sens qu'on va kiffer. J'adore ce délire de dire que c'est vous qui allez pouvoir jouer au jeu. Donc, si ça fonctionne, si ça fonctionne. Alors, on essaye de retourner sur l'écran de jeu. Est-ce qu'il veut bien que je retourne sur l'écran de jeu? Oui, là, il veut. Par contre, il faut que je fasse un tour de magie. Et le tour de magie, c'est normalement, attention. C'est pas beau, ça? Mimimati, t'as vu ça comment je fais bien Mimimati? Attention. Attention. Et voilà. Allez hop, c'est parti. Je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, nous, on va choisir une nouvelle histoire. Pourquoi il ne me prend pas ma manette, lui? Oh là. Oh là, oh là. Nouvelle histoire. Pourquoi il ne veut pas prendre ma manette? Parce qu'elle est pas branchée. Attends, je débranche ma manette. Je rebranche ma manette. C'est quoi le délire? Je fais même pas de jeu au clavier. Alors, mode de diffusion. Donc, c'est bien jeu en solo, jouer avec des amis, mode de diffusion. Votre chaîne Twitch Famille de Geek. Eh ben, espérons que ça connecte. Connexion réussie. Connexion réussie. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a possibilité aussi de jouer à plusieurs avec une application mobile. Donc, sachez que ce jeu, vous pouvez le faire à la maison avec des amis. Il leur suffit d'installer sur leur smartphone l'application As Dusk Fall. Mais en tout cas, ce soir, vous n'en aurez pas besoin. Tout se fera via le chat. Aussi, installer le jeu, mais pas encore lancé. Alors justement, Philippos, vous n'avez même pas besoin de lancer le jeu, rien du tout. Absolument tout est lié au chat de Twitch. Et je le précise bien, c'est pas un chat qu'on fait, on ne fait pas l'émission sur YouTube, effectivement, car c'est exclusivement compatible avec Twitch. Donc je vous ai montré, il suffit de cliquer sur mode de diffusion. Il vous demande le nom de votre chaîne Twitch. Ça se connecte automatiquement et logiquement. Et ben, on va le constater juste après. On va voir comment ça marche. Mais sur le chat, vous devrez, d'après ce que j'ai compris, taper hashtag avec le choix. Donc hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3.
Et en fonction du nombre de personnes sur le chat, c'est la majorité qui l'emportera et qui décidera de la suite de l'aventure. Moi, je trouve ça complètement dingue. Donc, sans plus attendre, vous me direz si au niveau du son du jeu, c'est trop fort ou pas assez fort. Parce qu'il y a Nico aussi, il faut qu'on entende Nico. T'es prêt, Nico ? Prêt, prêt, prêt. Prête ? Attention, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. C'est parti. On va jouer en solo. Bah, je sais pas, ouais, jouer en solo. Vous pourrez jouer à The Squall avec notre application mobile. Il vous suffit de télécharger. Ouais, mais ça, on s'en fout. Pity. Sélection d'un profil. Pity. Commencez. Déplacez le curseur pour découvrir les interactions cachées. Donc, wow, je vais le faire à la souris, alors, peut-être. D'accord, donc je vais pouvoir déplacer le curseur. Suivant. Mettez votre choix préféré en surbrillance et appuyez pour sélectionner. D'accord. Ah, oh, j'espère que c'est pas en anglais. Attends, non, c'est en français. C'est en français. Ah ouais, j'allais dire ça. Par contre, là, si c'est le chat, vos spectateurs peuvent utiliser la fenêtre de discussion pour voter pour leur choix préféré en envoyant hashtag 1, par exemple. Ah, voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, à côté de la réponse « Go for it », c'est écrit hashtag 1. Donc, il vous suffit sur le chat de taper ce que vous voulez. Moi, je pense que j'aurai, dans ce cas-là, à mon avis, la sélection du chat. Ouais, c'est ça, plus 2. En fait, j'ai la sélection et je sélectionnerai votre choix. Mais écoutez, ça a l'air complètement dingue. Si ça fonctionne, ça a l'air complètement dingue. Salut FefSensei13. Eh ben en tout cas, salut Toto, salut Madame Pity et Pity. Eh ben salut à toi. Alors dites-moi un petit peu quels sont vos pseudos YouTube. Il y en a en fait, on les reconnaît pas parce qu'ils ont des pseudos Twitch différents des pseudos YouTube. Je les reconnais très bien. Si José, tu connais José. José. Alors, attention, suivant. Action rapide, suivez les instructions à l'écran avant la fin du délai. Oh punaise. Alors ça par contre, c'est moi tout seul ça. Si je le fais pas, je me tape la honte. Choix personnel. À la fin de chaque chapitre, découvrez ce que vos choix révèlent sur vos valeurs, votre personnalité et votre style de jeu. En plus, on va suivre une analyse psychologique. C'est Tony Boy, salut Tony Boy, coucou je révise, il y a Mathieu également, et ben, donc je répète pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est tout simple, il y a plusieurs choix dans le jeu, il y en a plein tout le temps, c'est un film interactif, sur le chat de Twitch, c'est uniquement compatible le chat de Twitch, vous tapez hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, moi je reçois vos votes et je choisis en direct sur le jeu, là où il y a le plus de votants, et ben attendez, on est prêt. J'espère que l'histoire est bonne, au moins. C'est pas mal, ouais. Allez. Touchez de nouveau l'écran. Commencez. Ah ouais, déjà, si je vais pas sur appuyer ici pour commencer. Ils auraient dû mettre hashtag 1, tu vois, pour que voir si ça marche. Allez, on commence. Vous me direz si le son du jeu est bon. Puis avec la chaleur, j'espère que ça va pas cracher. Je m'appelle Zoé Walker. C'est pas fort le son. Je voulais être journaliste. Il n'y a pas si longtemps. Je monte le son. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est retenir mon souffle et couler. Super. Pas pour perdre connaissance, mais pour le calme qui m'envahit juste avant. Ce moment où les pensées disparaissent et les souvenirs se noient. 90 secondes. C'est à peu près le temps qu'il me faut. Et d'un coup, c'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. C'est hyper original, esthétiquement parlant. Le 29 mai 98, meilleure année. Route 66. Alors, papa, on joue ? Pardon, ma puce. Oui, oui, bien sûr qu'on joue. C'est suffisant le bon, son. Bon, je sais que t'es une experte, mais tu as bien tout regardé, tu es sûre ? Mm-hmm. Tu vas voir, je suis trop forte. Ok. Alors, est-ce que tu vois...
explorer la scène. De quoi ? J'ai rien compris. Alors ? Ah, Jif y a voté les toilettes. C'est marrant, on voit carrément ceux qui votent. Donc là, vous tapez hashtag 1, hashtag 2. Qu'est-ce que vous voyez ? Une voiture, un camion, une vieille clôture, des toilettes. Ah, ah, attention, c'est serré. C'est les toilettes qui l'ont remporté avec Saïs et Aida, Ophilippos, José. Oh, carton plein le pour les petit toilettes. Coin. C'est bien ce truc-là. Quoi ? C'est un endroit comme un autre. C'est pas comme si j'avais dit caca. Tu viens de c'est vachement bien fait, quoi. Ah, ah bon ? Ouais, c'est dingue. Ok, c'est quoi la réponse alors ? C'est. Rouge-marron, je crois. Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant ? Tu me poses une dernière question. Si je ne trouve pas du premier coup, c'est toi qui gagne la partie. Vous n'avez pas dit le son, c'est bon sur le chat ? D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. Moi, j'ai pas le retour de son. Ah, non, non plus. T'es prêt ? Allez, on va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on n'est pas tout à fait prêt ? Qu'est-ce que vous répondez à la petite Zoé ? Attention, hashtag 10 ou hashtag 11 ? C'est parti. Tommy Vary est là. Adeline a voté. Katine Game, José, Nico. On est plutôt prêt. Il n'y a que PNJF qui n'est pas prêt, mais il est fatigué. On vient de son festival. Je révise, il est prêt. C'est trop fort okay. Le concept. Vas-y. En plus, ouais, t'as les. Il y a combien d'étoiles sur mon sac à dos ? Pseudo qui apparaissent. Il y a combien d'étoiles sur. Il y a combien d'étoiles sur son sac à dos ? Ah ! Alors, est-ce qu'on jette un coup d'œil discrètement ? Est-ce qu'on dit 5, 6 ou 7 ? Moi, honnêtement, je dirais hashtag 4. Ouais, moi, j'ai comme Tommy Vary. Tu fais le coup du comique, tu vois. Le... Vas-y, on jette un coup d'œil. Mamie, elle a dit 5. Nico, il a dit 6. Jif, il a dit 7. On va voir qui avait raison. Tous les autres, ils sont comme... Ils sont en mode, vas-y, on jette un coup d'œil. Alors, attention. Les réponses c'est que tu vas donner... Nico Trèfle qui avait raison. Bravo, Nico. Les réponses que tu vas donner auront des fois des impacts plus tard dans l'histoire. Bah alors vas-y, alors c'est hashtag 11, allez-y, faites péter le hashtag 11. Bien, Katin Game Rabzouz, Fef Sensei, Adeline. Alors Adeline 15-12, c'est ma chère et tendre. Hein. C'est trop fort ce truc. Ah, Nico, il dit 7 maintenant. T'as changé d'avis ? Il y en a une que j'ai pas. Non, évident. 6, je crois. Non, j'ai dit 6. T'as triché ! Moi ? Jamais de la vie. Je t'ai vu. Et donc, t'as tous regardé. Les choix qu'on fera, qu'est-ce qu'il y a ? Modifieront l'histoire. Ça va pas, mon cœur ? Papa, il triche alors que. Certains choix, ouais. Certains choix auront des conséquences plus tard. Je suis sûr qu'il te taquinait seulement. Tu vois, là, par exemple. Allez, en voiture. Comme on a un petit peu triché en regardant entre les doigts, mais on en salut. Parlera plus tard. Salut. D'accord. Est-ce que ça va ? Ouais, ouais. C'est juste vrai que c'est Jif l'acteur principal. Hein. Tu sais bien. On l'a reconnu. Tout va bien, Michel. Promis. Pourquoi vous parlez encore bizarrement ? C'est rien, ma puce. C'est non, la non, fatigue Mathieu, du voyage. J'ai rien programmé. Je t'explique après dès qu'il y a plus de choses. Je jure, le pire quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça sent pareil au départ et à l'arrivée. Papy ! Attends, je suis ton papy ? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papy. T'es allé loin ? Ah ouais, je trouve que c'est génial tu aussi. Tu crois que t'étais perdu ? En fait, tu vois que le jeu jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens. Mais c'est ils pas croient que c'est eux qui tiennent la laisse. Salut, petit yo. Vite, je fais quoi là ? Allez, bouclez vos ceintures. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. Vous écoutez KNPW, la première radio de Flagstaff. Ça y est, le week-end est enfin là. Et c'est encore un bel après-midi qui s'annonce en Arizona. Alors, sur quoi on enchaîne ? Le jeu des plaques d'immatriculation ? Une autre chanson peut-être ?
Elle s'est endormie pendant ton solo. Mais t'as largement mérité le prix du meilleur animateur. Je me vois plutôt en berger, si tu veux savoir. Vous êtes mes brebis, en quelque sorte. Et j'ai bien l'intention de vous emmener à Saint-Louis dans la joie et la bonne humeur. Tu parles. Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire du tourisme? Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Oh, je me plains pas de la route. J'essaie juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. T'inquiète, y a pas de spoil, tu peux faire le jeu avec 150 choix différents. Alors, j'essaie juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. Ça va être super, ça va, je survivrai, ou faisons semblant d'être en vacances. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 sur le chat, c'est vous qui votez. Tommy Vary et Size, faisons semblant d'être en vacances. Adeline aussi. Nico Trèfle qui dit ça va, je survivrai. Mamie Gaming plutôt, ça va être super, comme au Philippos. José, les vacances. On n'a qu'à faire semblant d'être en vacances. C'est génial. On roule en famille sur la route 66. On ramène quelques pièces soudées et ensuite, on rentre à Sacramento. Vince, on ne peut pas. Cette vie-là est derrière nous. J'essaie juste de rester optimiste. Faut faire hashtag, petit yo. Tu as ton poste et moi, j'ai... mon petit boulot. Pas le moral quand même. Ah, tu sens qu'il y a un truc... Ouais, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Je pourrais pas travailler pour une usine de nourriture pour animaux, même si j'avais pas d'autre choix. Jim, ça ne fait pas avancer les choses. $10,000. T'aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards, vu comment ces cols blancs t'ont tout mis sur le dos. Au lieu de signer leurs papiers, là... J'ai encore rien signé. Mais tu comptes toujours le faire, hein? Je sais que c'est ton choix, mais je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Alors, tu as peut-être raison, il faut passer à autre chose, ou alors j'ai besoin d'y réfléchir. Moi, je dirais t'as peut-être raison. Il faut être gentil, il faut être compatissant et à l'écoute de nos femmes. Moi, je suis d'ailleurs à l'écoute au quotidien, c'est ça, ouais. Tout le temps. C'est comme ça. Alors, Nico Trèfle, il est à l'écoute. Rabzouz, il dit non, moi je veux réfléchir. Et c'est d'ailleurs la majorité qui l'emporte avec j'ai besoin. Laisse-moi de juste un peu de temps, d'accord? Bien sûr. Semblant de caméléon. C'est particulier la façon dont ça bouge. Vince était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. Quand t'étais petit, un jour, tu m'as demandé de t'acheter des figurines en plastoc. Rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te coursaient à l'école. Et au lycée, j'étais comment? Aïe. Désolé. J'aurais pas dû dire ça. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. C'est Zoé qui a demandé. Il y a un décalage quand même, je trouve, peut-être. Alors, Michel laisse tomber, hashtag 1. Jim, ça suffit, hashtag 2. Ou ne pas intervenir, hashtag 3. On peut régler le délai, en fait. Là, ça va, j'ai laissé juste le temps pour que le stream arrive chez vous. Mamie Gaming, ne pas intervenir. José qui dit Michel, laisse tomber. Et Jim, ça suffit pour Ophilippos. On voit qu'il est prof. Au moins, Zoé apprécie ma compagnie. C'est bien la seule, tiens. Oh, regardez-moi cette bouille. Ça lui ferait de la peine que son vieux papy ne se sente... Oh, Zoé! Ça va, ma puce? Qu'est-ce qui se passe? Elle est juste un peu secouée, je crois. Ah, le stress! La voiture est morte. Oh, merde. Génial. Est-ce que vous voulez aller avec les gens bizarres? Hé! Hey, merci d'être venu! Laissez-moi juste prendre un léger! Pauvre type! Non, mais vous êtes sérieux? Ben dis donc, ça rend vachement aimable le désert. On a du bol de pas être blessé. On va se taper la route 66 à passe.
chanson, n'empêche. Non, même les décors, c'est, je trouve ça vachement original. Quoi. La limite entre le film et la bande dessinée, je sais pas. Non, je l'ai vu, il était trop occupé à gueuler dans le vent. Change de personnage. C'est là, Northwood, numéro 28. Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les baraques ont la même tronche. C'est des histoires qui vont se croiser. T'es prêt? Gorge, son rouge sur sa gorge, c'est un gorge. Jay! Quoi? Arrête de rêvasser, frangin. Il me fait penser à celui. J'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'inquiète, il va faire sa part. Celle qui se suicide. Bon, on fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison, et tout redeviendra comme avant. Pas de stress, y'a point S, comme dit. Un roman photo animé, nous dit Jim. Allez! Qui habite ici? Hashtag 10. Et si on rate notre coup, hashtag 11. Sûr qu'il y a personne, hashtag 12. Ça a l'air dangereux, hashtag 13. Moi, je dirais, est-ce que c'est sûr qu'il y a personne? Ah là, on voit que ça y est. Ça a l'air dangereux, dit Adeline. Tommy Vary qui demande qui habite ici. En toute logique, il veut se renseigner. Et si on rate notre coup, demande Nico et José. Et Jif qui fait comme moi avec Ophélie. Bon, vous êtes sûr qu'il y a personne là-dedans? Oh, ça se joue entre les deux. Allez hop, José a pris. Il se passe quoi si on ne trouve pas l'argent? Si on n'arrive pas à rembourser la dette de Pa? Tu sais bien ce qui nous attend. La famille Holt sera même plus dans l'annuaire. T'es toujours fourré dans les bois, à grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture et trouve un moyen d'entrer. Oula! M'en sais que t'as pris ça? Non. Mais faut bien que je couvre vos arrières. Je suis sûr que s'il y a un hashtag buteux. On a une heure avant qu'il rentre. Tous voter. Si t'entends trois coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Del, le code. Je sais lire, hein. T'as pas intérêt à te foirer, mon pote. On compte sur toi. Allez, Tarzan. Tu vas escalader le portail du fond. Bah ouais, moi, j'essaye le garage. Si je peux, en fait, je peux. On sait jamais ce qu'on peut trouver. À mon avis, si je choisis, je m'en fous des. Je peux outrepasser le choix des photos. Hop. Allez hop, moi je fais les sauts. Est-ce qu'on contourne le chien? Est-ce qu'on parle au chien? Est-ce qu'on lance un bâton? Alors là, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Ça ici, contourne le chien. Adeline, elle jette le bâton. Ramzouz, il veut lui parler. Chief, il veut lui parler. Pour l'instant, on parle au chien. La majorité. Ah, il y en a qui répondent plus. La mamie, allez-y. Ça, mamie et Katingam, ils contournent aussi. Oh, Ophilippos qui parle au chien. Attention, ça se joue. C'est Ophilippos qui a décidé de parler au chien. Tu t'appelles Clétus, c'est ça? Moi, c'est Jay. Je comprends. Tu défends ton territoire. C'est pour ça qu'on est là, nous aussi. Tout doux. Je veux juste aller chercher quelque chose à l'intérieur. Voilà, bon chien. Oh, il est attaché. J'avais pas vu que t'es attaché. Attends, je vais devoir escalader. Mais vous parlez au chien. L'homme qui me courait à l'oreille d'Oberman. Police. Ouvrez. Ou peut-être que c'est le grand méchant loup. C'est pas drôle. Ça a été. Si, c'était marrant. Il a un chien. Mais j'ai réussi à passer. C'est quoi? T'es con. Je trouve pas qu'il ressemble à Clé, ouais, je sais pas quoi. Clé, c'est pas ça. C'est Clé Jensen. On est chez qui, au juste? Dante Romero, le roi des poulets. Attends, le shérif? Ouais. M'en a jamais pu le saquer. Même avant qu'il m'envoie en prison pour mineur. Je sais, mais... Mais quoi? Je trouve qu'il l'a même bien pas cherché. Peur. Alors autant en profiter pour mettre le foutoir, tant qu'on est là. Ouais, bah tu es dit comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on fout le foutoir. Contente-toi de suivre le plan.
ou il est flic. Moi, je dirais hashtag 11, hein, contente-toi de suivre le plan. Pour l'instant, Tommy Vary vote comme moi. Adeline, Pierre, on est tous d'accord. Voilà, il y a un plan, on suit le plan. Est-ce qu'il y a un rebelle dans l'eau? 11, oh là, 12 votants pour contente-toi, 13. Bon, alors là, non, c'est la majorité. Il n'y a pas un rebelle dans l'eau, il n'y a pas de Tyler rebelle. A dit qu'on n'avait qu'une heure. Non, non. On devrait peut-être commencer à chercher le coffre. Il y a un plan à faire. Laisse tomber. C'est beau. T'es fou ou quoi? Il pourrait analyser ta salive. Pète un coup, on est à Turok. Pas c'est dans New York Police Blues. Ah bah voilà. Bon, trouve-moi ce coffre. Vous disiez, si ça avait été Jeff, il aurait fait le rebelle. C'est sûr, c'est sûr. Coucou Lala. Alors, attends, faut que je cherche. Alors là, il y a un tableau. Attention, je trouve des hashtags. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Qu'est-ce qu'on fait? On soulève le tableau, on regarde la photo, on ouvre le meuble, on fouille le portefeuille. 1, la photo. 2, le tableau. 3, le meuble. 4, le portefeuille. Fev Sensei, le 4. Jif, ouvre le meuble. Adeline, le tableau. Rabzouz, le portefeuille. José, le tableau. Katingaim, le portefeuille. C'est génial, je trouve, ce concept. Pas mal pour planquer un coffre. Ah, j'adore. Ou pas. C'est cool. Par contre, je sais pas si tu as vu en bas, en haut de ton écran, ouais. t'as des vétos que tu peux mettre. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, par contre. Hein. Ouais, je vais pas mettre de veto. Moi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La photo, on ouvre le meuble, on fouille le portefeuille. Ah, allez-y, votez. Tommy Vary, le portefeuille. Jif, attention. José, le meuble. Adeline, le meuble. Pour l'instant, c'est le meuble. Eh ben, on ouvre le meuble. C'est pas là. Des alors, cassettes trouve... VHS. Non. Peut-être à l'étage. Ouais. Possible. J'ai reconnu le pot. Qu'est-ce que tu fais? Un magnète. C'est pour ma fraise. Copine. Mais t'as ah, pas ouais. de copine. La mais ferme. J'y travaille, ok. Eh. Hey. Qu'est-ce qui est jaune et très pressant? Allez, viens m'aider à me venger. Lui, il y a une tête de mec qu'il faut pas suivre. Alors, viens m'aider à me venger, pourquoi pas, ou je passe mon tour? Bon, on passe notre tour, on est sage. Moi, je passe mon tour. On va voir les rebelles. On va voir qui fait des conneries. Qui fait des conneries? Mivari, Mamie, Rabzouz. Ah, ah, ça, c'est José, c'est les rebelles. José. Il passe, son tour. Chris, il passe son tour. C'est José et ça, c'est les rebelles. Cat in game en mode rebelle aussi. Ah, heureusement que la majorité est sage. Tu penses on n'a pas que ça à faire. Légèrement ton micro, et puis il s'écrase ton truc. Bien, mais durant les scènes, tu fais vraiment pitié. On te l'a déjà dit. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu t'entends parler. Comme ça, ça serait un peu mieux. Allez, assez déconné. Va voir là-haut. Moi, je vais terminer de fouiller le rez-de-chaussée. D'accord. Logiquement, j'ai boosté un peu mon micro. Yes. Salut, Seb the Madman. C'est Seb Bop. Salut, Seb Bop. Donc, t'as compris le principe. C'est hashtag. On met des hashtags en fonction des choix. Le jeu vient de démarrer. Y a pas eu, vous avez rien loupé pour le moment particulier. Hein? Vous êtes ça. Ça fout mal. Oh là là. Merde. Ouais, tu peux dire merde. Hashtag merde, moi j'aurais même dit. Route 66. Voilà la fin. 12 ans à réparer des avions de ligne, et pas foutu de retaper une voiture. Ça va? Ouais. Quand on a vu un motel, on les a tous vus. Allez-y. Je vais nous chercher une bouteille d'eau. Shima, la maman de Ryan veut bien que je dorme chez eux. M'attends pas ce soir. C'est sympa comme concept. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire sur le chat. Moi, je trouve ça génial. Des films interactifs comme ça. Y a quelqu'un? Et le jeu dont vous êtes le héros. Bah ouais, puis avec le chat, c'est cool, je trouve. Puis tu vois les pseudos et tout, c'est vachement bien fait. Bon, on va sonner. Hein. On sonne ou on attend? Si on sonne, ça fait impatient. Mais si on attend, on peut attendre longtemps. On peut sonner une fois.
Puis à la limite, moi je sonne et je lui fais un petit sourire en disant j'ai toujours voulu appuyer sur ce genre de sonnette. Bon, il y a personne de patient dans le chat. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'on sonne. Ah, là par contre, est-ce qu'on attend? Moi là j'attends, on a sonné, c'est bon. Là moi je suis en mode, j'ai sonné, il a entendu, j'attends. Si tu ressonnes, ça fait vraiment le mec qui veut pousser le truc, je trouve. Ah, ah, attention, la majorité, elle a envie de rappuyer. Ça, tu vois, c'est nous, nous les ch'tis, on attend. Les Parisiens, ah, toi t'as appuyé. Punaise, t'as un côté parisienne en fesse. En fesse. Je sais pas, mais... Gale. Eh, hey, faut vous détendre. Vous êtes pressé ou quoi? Bonjour, on a eu un accident à quelques kilomètres d'ici, à l'est. Vous n'auriez pas une ou deux chambres de libre et le numéro d'une dépanneuse par hasard? Ah, c'est pas de chance. Notre mécano, Franck, est à Tucson pour le week-end. C'est bon, qui, juste deux chambres alors. 13. Ça fera $70 en liquide. Ça va être un autre pseudo sur YouTube. J'ai $52 sur moi. C'est assez pour une chambre? Hé, hey, Joyce! Je suis occupé là! S'il vous plaît, une chambre, parlez au responsable. Moi je dirais s'il vous plaît, déjà je tenterai l'approche. L'approche cool. Jeff il tente le cool. Ah, Tommy va arriver par le responsable tout de suite. Il veut voir le contrat, il veut voir les clauses, je le connais. Ah, il y a la majorité qui essaye la technique à la cool. Tio aussi. Tio, il veut la pécho aussi, je le connais. Tio, c'est sûr, il veut la pécho. Si vous pouviez me laisser payer le reste demain, ce serait vraiment génial. Ah. Ma fille a besoin de ses 8 heures de sommeil, mais le problème, c'est que mon père ronfle super fort. Oh, Jadot, elle l'aurait voulu, une chouette comme ça. Elle est trop mignonne. Voilà. J'espère que vous essayez pas de me gruger pour quelques dollars. Mon papa, il est trop fort pour gruger. Il faut le surveiller de très près. Les enfants. Un embranchement. Bonjour, je suis Michel. Merci beaucoup de nous héberger. Oh, c'est pas comme si on était complet. Ravi de rendre service. C'était encore un fusible. Le problème quand il n'y a pas de disjoncteur, c'est que... Oh, salut. Bienvenue à Turok. Paul, j'ai besoin d'un service. Va dire à Norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking. Ah mince, vous avez crevé ou c'est autre chose? Je sais réparer pas mal de trucs. Le problème vient du moteur, enfin, si vous voulez essayer, allez-y. C'est un 4x4 rouge à l'est d'ici. Vous pouvez pas le rater. Je m'en occupe. Sympa. Oh. Hé, hey, on se connaît, non? Non, mais on me confond souvent avec Clint Eastwood. Il est marrant, lui. On me confond souvent avec Clint Eastwood. Oh, enfin un peu de fraîcheur. Voilà. On est en vacances maintenant? On peut aller dans la piscine? C'est réaliste. Ah, oh, c'est pas de chance. Nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement. Et arrête de sauter sur le lit, d'accord? Je peux regarder les animaux à la télé alors? S'il te plaît! Hey, je t'ai dit d'arrêter de sauter. J'arrête si tu me laisses regarder mon émission. J'apprends plein de choses. Alors. Est-ce qu'on lui dit non? Est-ce qu'on la laisse regarder? On la laisse regarder la télé, hein? Elle vient de vivre un demi-accident, faut lui remonter un peu le moral. Ah, une majorité... Ah non, Nico, il dit... Hé hey. Alors Nico, c'est quoi ça? Ah. Toi, tu dis non. On ne saute pas dans le lit. Elle arrête de sauter, on verra après. Voilà. D'accord, mais juste une demi-heure. Ouais! Merci papa! Et tu devras m'apprendre des trucs cool après. Eh ben, on a fait une sacrée négociatrice. La journée a été rude. Elle l'a bien méritée. Voilà, c'est ce que je me dis. Sans rendre mon pitié, quoi. Que tu le prennes. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais c'est douloureux. Tu voudrais bien masser un peu? Non, t'as bien raison. Après, si vous voulez pas être spoilé, l'avantage, c'est qu'à voir, il y a énormément d'embranchements. Bon, je vais promener de ça. La rejouabilité, elle est dingue. Vince, ça te dirait de venir avec moi? On vient de marcher un kilomètre. Il a besoin de changer l'eau du bocal. Et puis, il faut que je te parle. Ah,
Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, il a besoin de changer l'eau du bocal. Il faut que je te parle. Est-ce qu'on reste avec Michel ou est-ce qu'on accompagne Jim? Sensei et Mathieu, ils ont voté pour rester avec Michel. Jif, il accompagne Jim. José, Jim. Michel pour Nico. Je t'ai pas vu, t'as voté? Ouais. Jim. Kat in-game Michel, Rabzus, Jim. La majorité, c'était léger, mais... Mami Gaming qui a voté pour Jim également. Ok, je t'accompagne. Ça sera pas long. C'est pas bien. Ça te fait mal aux oreilles, ça, les écouteurs? Allez, Zeus, viens là. Tu vas devoir t'acheter un casque de gameuse avec des oreilles de chat. Je n'ai pas besoin. Je voulais pas faire des histoires tout à l'heure dans la voiture. Ça doit pas être facile de m'avoir sur le dos alors que vous êtes déjà à cran tous les deux. Jim, il va se calmer un peu. Tu comptes vraiment me donner des conseils de couple, là? Parce que si je me souviens bien, il me semble que tu as lâché le tien. Non, non. Je voulais juste te remercier pour ces derniers mois. Ça m'a fait très plaisir de te retrouver. D'apprendre à connaître Zoé. Je suis content qu'elle te connaisse. Tu sais ce que c'est le pire quand tu vis avec... avec une tumeur dans la tête? Alors, c'est quoi le pire de vivre avec une tumeur dans la tête? La peur de la mort, vivre dans l'incertitude, tu regrettes tes choix. C'est compliqué, hein? Ouais, je n'ai pas de galère. Pour Philippos, vivre dans l'incertitude, Nico Trèves, tu regrettes tes choix, la peur de la mort. Ah, les femmes, majoritairement, la peur de la mort, c'est rigolo. Te connaissant, c'est sans doute l'idée d'avoir passé ta vie à faire les mauvais choix. Ouais, c'est... Tu m'as bien cerné. J'ai disparu pendant 30 ans. J'imagine combien ça a dû être difficile pour toi et ta mère. Non. Tout ça pour me défoncer et faire un doigt d'honneur au monde. Je ne vais pas te plaindre, ça a l'air sympa, tu es là maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Je ne vais pas te plaindre. Pourquoi tu as fait ça? Ah, Jif et Sai, c'est la fibre sentimentale. Dis-moi, pourquoi, papa, tu as fait ça? Ouais, Tommy Marie, mais comme moi depuis le début, hein. C'est dingue. Tu es là maintenant. Oh, c'est beau. Oh, les voilà. Les gros cœurs, petit yo, tout ça, fleurs bleues. Tu es là maintenant. Ah, ah, ça se joue. Ah, voilà. Les femmes ont au eu raison. Au bout du compte, tu es revenu frapper à ma porte. Sur le chat, elles ont bien raison. Ça n'a pas dû être facile. C'est gentil. Et non, ça n'a pas été évident. Je suis désolé, mon grand. Je sais que j'ai rien fait pour mériter ta confiance, mais il faut que je te demande quelque chose. Oh, et voilà. D'accord. C'était sympa, il va les te docteurs, demander quelque chose, je rapace. Ils disent que j'ai peut-être plus que 2 ans à vivre. Enfin, qu'est-ce qu'ils en savent? Mais ça donne le moral. Je sais que je t'ai dit que tu pouvais me déposer à Tulsa, que j'avais des amis là-bas. Crache le morceau, Jim. Qu'est-ce que tu dirais si je venais habiter avec toi, Zoé et Michel, dans la nouvelle maison? T'es sérieux, là? Il y a 6 mois, je savais même pas que t'étais vivant. Et maintenant, tu veux que... Tu veux... Je veux pas vivre dans un lit d'hôpital. Je veux être avec ma famille. Combien tu veux, Jim? Dit José. C'est une mauvaise idée ou je vais en parler à Michel? Alors, comme j'ai pas eu le retour, je sais même pas de quoi il parle. Toi, t'as pas eu ces choix-là, déjà? Non, et non, ça je connais pas. Est-ce qu'on va habiter chez lui? Est-ce qu'on en parle à notre femme d'aller habiter chez lui? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Majorité, ils veulent en parler à Michel. Toi, direct, tu l'envoies chier, là. Tu lui dis, c'est bon. T'as été gentil une fois, mais pas deux, là, je le vois. Ah, c'est bon, t'as gagné. D'accord, je vais en parler à Michel. Vraiment? Je sais pas quoi dire. Mais merci. Allez, on va fêter ça. Diablo. Parce qu'ils savent pas décider. Tiens, salut. Hashtag 12. Je vais faire remorquer votre voiture. Vous aviez raison, ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille. Combien je vous dois? Rien. Vous êtes nos hôtes. Mène la caisse à l'arrière, vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non.
genoux, tout de suite. Je t'ai dit à genoux. Vas-y, on obtempère, hashtag 3, les gars. Hashtag 3, qui c'est qui a mis hashtag 1? Je révise, Diablo, je révise. Gars, les rebelles. Ah, les rebelles sont là. Tio qui dit, qui êtes-vous? Non, là, il y en a 12 qui flippent, là, quand même. Il y en a 13 qui sont en stress. Vivi aussi. Hein. Vivi, elle dit, c'est bon, on obtempère. Allez. Bon chien. Quoi? Bon chien? 30 minutes plus tôt. Maison du shérif. Attendez, c'est pas la peine d'appeler à l'aide. Quoi? Retenir le fauteuil roulant ou fuir? Non, il faut... Qu'est-ce qu'on fait? On arrache à tirer. Comment? On la calme, on retient le fauteuil, non? Punaise, elle va nous mettre à coup de poing aussi peut-être. Punaise, il y a plein de choix là, je vous ai trouvé plein de choix là. Ah, la majorité, si on arrache la télécommande pour l'instant. Ou alors, attention, si vous voulez le fauteuil, dépêchez-vous, hashtag 3. Hashtag 3 qui revient, hashtag 3. Oh, sur le fil, hashtag 3. C'est fort, ça. Arrêtez-vous. Fais gaffe, tu vas bientôt commenter le PMU du week-end. Oh. Punaise, elle a réussi à nous mettre un coup. Je vous l'avais dit qu'elle allait nous mettre un coup. Vas-y, on arrache. On la rassure. Moi, j'arrache la télécommande d'abord. J'en la rassurerai après. Là, c'est bon, elle nous a déjà mis. T'as vu comment elle a griffé sa tête? Bon, après, elle a raison, il y a un mec qui débarque chez elle. Ouais, tout le monde y veut. Voilà. Ah, Adeline, tu te barres. Tu te casses. Là, tu te dis, je n'ai pas à être ici. Hashtag, il rassure la femme. Cool. Ah, merde, j'ai loupé. J'ai lu le chat. Eh merde, elle nous a eu. Non! J'avais pas besoin de ça. Ah, j'ai loupé le coup. Voilà. C'est de ma faute. Non! Hey, c'est quoi ce bordel? Merde! Je t'expliquerai. Faut qu'on se dépêche. Ah, merde, il s'est fait choper. C'est forcément là. Oh là 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 là. Vite, vite, je vais devoir chercher. Oui, là, j'ai trouvé des trucs. On soulève le tableau, on ouvre le tiroir, on regarde dehors, on fouille le bureau, on fouille la bibliothèque. Allez, hashtag 1, le tiroir, 2, on regarde dehors, 3, on fouille la bibliothèque, 4, le bureau, 5, le tableau. Ah, le stress! Maxi fail. Ah ouais, bah basse, j'ai fait un maxi fail, tu vois. Ah, j'adore le délire de voir vos pseudos, c'est trop fort de voir les choix que vous faites. C'est comme si on jouait tous ensemble, en fait. C'est cool, je trouve. C'est ça, c'est le... Un bouquin sur les oiseaux. C'est l'interaction poussée à un point comme pas possible. On s'en fout, mais lui, il pique un bouquin sur les oiseaux. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce que dans le fauteuil? Est-ce que... La bibliothèque pour Diablo. Tommy Vary, soulevez le tableau. J'aurais pris le tableau aussi. Il est fort, à chaque fois, j'ai le même que Tommy Vary. Adeline, elle regarde dehors. Ouais, mais j'ai peur qu'en regardant dehors, il y ait quelqu'un qui nous voit. J'ai déjà fait un fail. Ouais, le tableau. Je suis d'accord avec Size. Ah, attention, parce que c'est serré. C'était serré. Qu'est-ce que... Un trou de balle. Celle-là, elle est bonne, ah ouais. Et celle-là, franchement, sur le tchag... Émoticône mort de rire parce qu'il y avait trois trous de balle. On nous voit tout flou, attends, faut que je mette ma tête près, sinon on nous voit flou. Ouais, c'est bon, on est revenu là. Salut Sonic! Alors, mamie, elle a voté. N'oubliez pas Sonic. Ah, il y a Toto qui est là aussi. Si vous voulez voter, vous faites juste le hashtag. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une clé. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la clé? On ouvre le tiroir. On ouvre le tiroir. Hashtag 3, tout le monde. Hashtag 3. Ah, il y a quand même Sensei qui veut fouiller la bibliothèque. Nico trèfle tiroir. On est d'accord, Nico? Ah, on a perdu Nico.
Non, on est d'accord. Non, j'ai coupé le micro. Ashtam. Bon, pour l'instant, on ouvre le tiroir. Hein. Allez, on se dépêche, on ouvre le tiroir. Parfait, Vivi. Ah, mais la clé, ça. Hashtag 3 pour Sonic. Oh. C'est quoi ça? C'est un livre érotique, non? Bon. On fouille de nouveau la bibliothèque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve rien. Attends, c'est peut-être moi avec la souris. Hein. Faut que j'aille vraiment partout. Non, non, c'est bon. Ah oh là là. Au Philippos, Sice, Hashtag, Nico, Rabzouz. Ah, il n'y a que Ptio qui regarde dehors. Ptio, il aime bien faire son rebelle, j'ai remarqué. Ah, et voilà le Dale, coffre. J'ai trouvé. Ouais, mais... On a qu'est-ce la clé, que... mais il y a un code, non? Le code. Ah, oh, punaise. Bien. C'est quoi le code? 5926. Quoi? Ah, 5926. Non, la vie où? Bah, il l'avait tout à l'heure sur son papier. Je sais pas, tu vois, moi je regarde pas assez. 5926, dites-nous sur le chat. Ouais, je crois. Mmh. Ouais, je confirme. Yes! Bravo! Wow. On a le pactole grâce à toi! Dave. Le chat 5926 pour Diablo, Sai. Oh Sensei. Merde! Il gagne combien cet enfoiré? Ouais, bah sa femme a appuyé sur le bouton. On a un trophée! Bah là on est mal. Là le shérif. Merde. Prends le fric. On se casse. Comme un fantôme. Bah puis elle va dire je vais pas passer par visage, derrière. Mais fais gaffe au chien. Il fait pendant plusieurs jours. Bonjour Pétillier. Salut. Et comment tu vas bien? Et ça va. Ils nous suivent là. Ils nous suivent. Becky, c'est moi. J'ai décalé ton rendez-vous chez le kiné. Bonjour, Pétivier. En fait, salut. T'as encore fait sonner l'alarme, dis donc. Salut, Pascal. Ah, il vient d'arriver de Paris. Hashtag les emmerdes. Ouais, t'as raison, Vivi. Écoute, Pascal, c'est tout simple. Il y a des choix à faire, c'est le début du jeu. Donc, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. On est deux frères, on est rentrés dans une maison, on a récupéré de l'argent. Mais c'est la maison du shérif. Et la femme du shérif, elle nous a chopés. Et en fait, sur le chat, sur le chat, il faut faire des choix. Et c'est la majorité qui l'emporte. Tu verras la prochaine question qui arrive. Hashtag les emmerdes, oui. C'est vrai. Merde. Sortez et gardez les mains bien en vue. Tout de suite. Tu comptes jusqu'à 10 et tu fonces. T'es qui, toi? Juste un mec qui cherche un magnétoscope. Et si je t'abattais pour être entré chez moi, hein? Je me rends. Qu'est-ce d'accord que tu fais, alors? À genoux. Les mains derrière la tête. Ici, allez, C1. Laisse, j'ai un cambriolage en cours au 28 dans sous drive. Il faut des renforts. Ça a l'air bien original dans le genre. Un roman photo, en fait. Ouais, Pascal, c'est ça. Alors, est-ce qu'on affronte le shérif ou est-ce qu'on court vers la porte? On a fait assez le con pour aujourd'hui. Gif, il se barre. Diablo aussi. Comme Ivari, il affronte. José l'affronte, Adeline, elle part. Au Philippos, il affronte. Ah là là, c'est serré, Mamie, Nico. Ouh, 6-6. Attention. Oh, oh non, c'est parti. On affronte le shérif parce que Ptio et Ashtam, ils ont pris. Oh, ça revient. Ça revient. C'est serré. Ouais, c'est Rabzouz qui a pris. Enlève ton masque. Que je vois quel genre d'imbécile j'ai à faire. Ah, merde, je t'en fais avoir. Ah, t'es petit con. Vas-y, frappe-le, toi. Voilà. C'est bon. Oh merde. Putain, tirer sur le shérif, c'est la merde. Moi, je vais plus la lâcher, la souris, parce que les trucs, ils ont trop. Allez. Il est rentré plus tôt, je sais pas ce qui s'est passé. Notre petit frère m'a sauvé les miches, en tout cas. Vous avez l'argent? Un peu qu'on l'a. Bien joué, les gars. Par contre, tu vois, cette version du scénario, je ne l'ai pas vue comme ça, moi. J'ai fait des choix. Même le shérif qui débarque là avec les deux garçons de chaque côté de la porte, ça, je ne l'ai pas vu. J'ai eu une autre scène, moi.
Le scénario du cambriolage parfait a échoué. Ah bah ouais, là, j'étais merde. Ils ne nous ont pas vu tourner. Et moi ? Non, ils auraient ralenti. Écoutez, on n'est pas là pour vous faire du mal, ni pour vous extorquer du fric. Tout ce qu'on veut, c'est un endroit pour se planquer en attendant de repartir. Tenez-vous à carreau, et tout ira bien. Okay. C'est compris ? Pitié, laissez-nous partir, oui. Pourquoi on vous ferait confiance ? Moi, je dirais hashtag 10. Hein. Ouais, ouais, c'est bon, allez. Alors, Sensei, Adeline, hashtag 10. Tommy Vary, hashtag 10. Ophilippos, Rabzouz. Ah, Nico Treff qui dit, mais pourquoi on vous ferait confiance ? José aussi, Diablo qui dit, pitié, laissez-nous partir, mamie aussi. Petit Yo-Katin Game. Oh, pour l'instant, la majorité pour le oui. Majorité entendu. Pour le oui. Comme vous voudrez. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Tenez-vous à carreau comme ce fais-moi taire ce clébard. Il va buter le chien. On a qu'à piquer une voiture et rouler dans l'autre sens. Ils vont mettre un moment à piger qui nous suit. C'est sur Twitch. Trop risqué. Si jamais ils ont des barrages. Vince, faut qu'on fasse quelque chose. Ils sont armés, pas un bruit. Essaye de négocier. Qu'est-ce qu'on fait ? Hashtag 1, ils sont armés. Hashtag 2, pas un bruit. Hashtag 3, essaye de négocier. Benji fait Tommy Vary, Piven, ils sont armés. Cat in Game, Nico Treff, Ophilippos, ils négocient. José, il dit pas un bruit. Pas simple, hein. 7 secondes. Petit Yo, Rabzouz, bon, pour l'instant. Ah, ah, ils sont armés, qui en majorité. Reste un point. Wow, à la dernière seconde, ça se joue, attention. Non, mamie, elle a choisi, ils mais sont quoi armés. Ils sont armés. On n'a qu'à prendre leur flingue. Tu veux nous faire tuer? On n'est pas dans piège de cristal, Jim. Faut pas rester là. On n'est pas dans on piège attend qu'il fasse nuit. Jim. Et ensuite, on part à l'autre bout du pays. C'est le mieux à faire. Je te dis qu'il faut qu'on bouge. Lâche ton arme. Tire. Oh là, on se calme. Et la si on... charge, ou elle... Faut que je sois chaud avec la souris là. Partez s'il vous plaît, elle est sérieuse. On va tous se calmer. C'est chaud là, qu'est-ce qu'on dirait? Elle est sérieuse. Ouais, moi j'aime bien, elle est sérieuse, ça fait un peu. Tu leur mets un peu la peur quoi. On va tous se calmer, ça c'est bien aussi. Partez, ouais, ça il s'est dit partez s'il vous plaît, mais ça, ça fait la phrase du gentil. Il te fout un coup de crosse dans la tête si tu dis ça. Attention, on ne voit plus. On a une demi-tête bon. De toi. Ah, j'ai pas vu. On va tous respirer un grand coup, d'accord ? C'est mon motel. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Et il a raison. Joyce, si jamais le coup part, je m'occuperai de nettoyer les murs. Ouais, mais c'est clair, Arcania. T'as vu, j'ai déjà fait ma vidéo hein, sur John Wick 4. Si on les aide à se tirer, j'ai fait 4 vidéos de 5 minutes. Donc ça vous fait une vidéo de 20 minutes. Il n'est pas question que je les aide. Montrez-moi vos têtes. J'ai dit, retirez vos masques. Attention. Oula, il va essayer de l'attraper. Oh non. Vous êtes les frères Brut. Les reconnaissait pas. C'est vous qui nous avez heurtés. Paul, prends leur fusil. Je suis désolé, je peux pas. Oh. Paul, t'es sérieux là? Putain, vous. Paul. Prenez son arme. Je t'ai laissé un com sur ta vidéo. Ah, je vais aller voir ça. Bien, ils sont en stress. Pointez-la les mecs. Sur lui. Fais ça, je te jure que tu vas le regretter. Vas-y, vas-y, on le met en joue. C'est mort, mon chéri. Il a le flingue, il est en position de force. Sensei, Jif, on est d'accord. Adeline, Piven, Tommy Vary, Diablo. Mamie, elle le met en joue aussi, mamie. Mamie, elle a pris le flingue à faire aller. Mamie flingueuse. Mamie, elle a fond, là, ce soir. Elle dit, allez. Ah, Vivi, elle lâche. Vivi, elle est raisonnable. Heureusement que Vivi est là, moi, je vous le dis. T'as jamais tenu un flingue de ta vie. Pourquoi ? Ouais, mais j'apprends vite. Mais quelqu'un mange aussi, je pense. Oula. Quelqu'un qui rentre à ce moment-là, ça détourne l'attention. Ah oh, merde! Oh! Tire! Oh non! Touche encore à mes affaires et tu vas le regretter. Hey, t'as planqué la bagnole? Ouais, dans le cabanon au fond. Tyler, ils nous ont rien fait, ces gens-là. Faut pas leur faire confiance.
Toi et Del, vous les mettez en rang. J'ai un coup de fil à passer. Salut Vivi, la forme, pas trop en souffrance à cause de cette chaleur. Je n'en peux plus. C'est moi. On a tous on a un problème. Au désert de Dream Motel. Je sais, qu'est-ce que tu crois? Allez, maniez-vous. À côté des tables. Ça sent le pâté, hein, cette histoire. Hé, les gars, vous avez pas fait de mal à qui que ce soit, hein? Oh, on a buté le président. Pas vrai, frangin. T'es le frère cadet, toi. Celui qui a fait un séjour en prison pour mineur. Ferme ta gueule. Ouais, c'est quoi? Pas des tueurs, je suis d'accord. Tout le monde est au courant. Joyce, arrête. À ce qui paraît, t'es le portrait craché de ton père. Un Holt pathétique qui pourrit tout ce qui touche. Quoi, comme ça? Ça, t'en penses quoi? T'es obligé de faire ça? Arrêtez, vous énervez déjà. Si on dit ça, il bute le chien. Moi, je dirais, t'es obligé de faire ça? Ouais, moi, je dirais, c'était bon, t'es obligé de faire ça? Vous avez pas l'air méchant, mais franchement, t'es obligé de faire ça, nous jeter des tasses. Mamie aussi, elle dit, eh, c'est bon, là. Voilà, en masse, on lui dit, eh, c'est bon, ça ne sait pas faire. Tommy varie en mode zen, là, par contre. Sérénité absolue. Et Diablo, il protège le chien. Sérieux, t'es obligé de faire ça? T'es obligé de l'ouvrir? Pas grave, moi. Fais-le taire. Vite. C'est un chien, gros malin. Il n'y a pas de bouton off, figure-toi. Il est sur la prudence. Njifu aussi, c'est la prudence. Madame, je veux qu'il la boucle. Calmer le chien ou calmer Dale? Moi, je pense qu'il faut essayer de calmer le chien parce qu'il va le buter, non? C'est mal parti pour le chien. Ouais, j'ai peur pour le chien. Voilà, 2-2. Piven, le chien, 9, mamie, tout le monde le chien, 10 pour le chien. 12 pour le chien, waouh, en masse, vous voulez calmer le chien. 13. Ah ouais, là, c'est le... On essaye de calmer le chien. Voilà, hashtag... Zeus. Save the pets. Tu te souviens de moi? Je veux que hashtag 60 millions d'amis. Dale, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle gérer la situation. En menaçant un chiot, ça t'a pas suffi de casser la mâchoire du gosse des Casden? La ramène pas à toi. Sinon quoi? Tu vas me casser la gueule aussi? Tu vas me jeter une pomme? Tais-toi. Sinon quoi, tu vas me jeter une pomme? Demande à Joyce de faire profil bas, calmer Zeus. Oh non, ils font chier parce que là... Bon, il va pas la buter, elle. Il va pas oser. Moi, je calmerai Zeus. Parce que sinon, il va tuer le chien pour calmer la fille. La fille, il va pas oser la buter quand même. Oh, attention, il y a un gros embranchement. Hein, donc réfléchissez bien, ils disent. Moi, je dis qu'il faut calmer le chien. Parce qu'il tuera le chien, mais il tuera pas la fille. Ah, mamie, elle protège la fille. Diablo aussi. Hein. Katyn Game aussi. Attention, c'est serré. Passe-le-moi. Non, mais qui bute la fille si il veut, quoi. Mais pas le chien, quoi. Calme le chien. Voilà, le chien est calmé. Vous savez, le stress, hein. Merde. Le stress, ouais. Merde. Et voilà, non, mais tu vois, c'est chiant. Dès que je regarde le chat, je suis loin de la souris. Ben voilà, ils ont buté le chat. Merde, c'est de ma faute. Ça va aller, mon grand. Non, tout c'est pas moi. Moi, j'ai rien à toucher. C'est le chat, c'est connecté à... C'est pour ça qu'on le fait sur Twitch. Ça ne marche qu'avec le chat. Tu sais quoi? Le chat. J'étais assez entendu. En fait, tu connectes ta chaîne sur le jeu. Fais la terre. Et c'est automatiquement... T'as vu, il y a même les pseudos qui apparaissent. Moi, je fais rien du tout. Et c'est pour ça, en fait, je lâche mes mains et d'un seul coup, il me demande de faire un truc. Je dois retourner sur la souris, donc j'avoue que je rate tous mes QTE depuis le début. Est-ce qu'on la baïonne? Est-ce qu'on refuse de la baïonner? On la biarritz, plutôt. T'es nul, Pity. Ouais, c'est clair que là, franchement, j'ai laissé échapper Zeus. En fait, c'est... Quand tu joues tout seul, à mon avis, t'es bien concentré sur ta souris. Mais vu que là, je ne vote pas... Regarde, arrête de parler. Je vais essayer de faire un choix si je clique. Pour voir si ça fait un vote de moi ou si ça fait un choix. Fais le sale boulot toi-même. Fais le sale boulot toi-même. Oh! C'est pas grave. Ouais, mais on lui montre qu'on a des coronets. Pourquoi t'as autant de bagages dans ton 4x4? Hein? T'es venu avec qui d'autre, hein? T'as intérêt à dire la vérité. Mon père, c'est tout. Ma famille. Mais on est dans un cirque. Alors, quoi? Ils savent où ils l'ont vu. Bah ouais, ils les ont vus.
J'ai pas compris. Non, ils ont pas vu sa femme. Non, ils n'ont pas vu, non. Quand ils ont eu l'accident. Il était là. J'ai dit la vérité. Au c'est vrai, c'est vrai, oui. C'est vrai. Bah, moi, je dirais mon père, c'est tout. Je balancerai pas ma famille, je me connais. Ah, attention, pour l'instant, c'est à chaque 11 qui mène. Je voyage avec mon père, c'est tout. Ouais, j'aurais dit ça. On voulait faire un road trip pour réapprendre à se connaître. Ça fait beaucoup d'affaires pour deux mecs. Il dit la vérité. Il est venu avec le vieux, c'est tout. C'est moi qui les ai accueillis. Il n'y a personne d'autre. Tu sais quoi ? Je peux pas te saquer. T'as les jetons. Ça se voit sur ta figure. Mauvaise idée, le mensonge, j'ai dit Diablo. Tu connais bien le jeu, Diablo ? Je me trompe. Salut, Maître Muqueux. Alors, pour les nouveaux arrivants, vous devez juste taper hashtag. Alors, tu te trompes, hashtag 1. Tu as raison, hashtag 2. N'hésite pas, Maître Muqueux. Alors, attention, Jiff, il a voté 1. Tommy Vary 1. Sice, Adeline, tout le monde lui dit tu te trompes. Ah, hashtag, il dit tu as raison. Pour l'instant, tout le monde, tu te trompes. Je vais essayer de cliquer tu te trompes, vu qu'il y a la majorité, voir ce que ça fait. Ah, j'ai fait un vote, en fait, non ? Donc, je peux t'as voter, pas la moindre idée de qui je suis. Ah ouais ? Ouais. Et tu vois ton petit numéro de gros dur. J'y crois pas du tout. J'espère que tu te contentes pas. J'ai terminé le jeu, mais j'ai eu une autre expérience. Ah. Et oui, comme quoi tous les scénarios se croisent, mais c'est un flic. Sur pas mal de niveaux. C'est quoi ? C'est juste Big Sam. En général, il se paie une canette, il cause un peu et il repart. Jay, à l'arrière. Va avec lui. C'est dingue, c'est les arrange-toi pour qu'il parte. Compris ? Dommage que l'élève okay, ne soit pas animé. Ouais, je suis d'accord. Vous deux. Mais quand tu vois les multiples, tu verrais vous la bouclez et tout ira Pascal, beaucoup plus vite. C'est normal. Tu verrais le nombre de choix possibles. Toi, tu viens avec moi. Ouais. Je fais gaffe parce que s'il y a un QTE, cette fois-ci, il faut que je le réussisse. L'inflique. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sam. Ouais, on n'a pas l'air d'être le flic qui va nous sauver. Paul, ça roule ? Tranquille, comme d'hab. Comme disait mon père, ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va. Tiens, Joyce et son fils sont à l'étage. C'est pareil, le flic, il me dit quelque chose, cet acteur. Ash dort chez un ami ce soir. Ouais, Joyce a pas la forme. Laissez la preuve, cachez la preuve. Faut laisser la preuve. Oh, monsieur. La pauvre. Faut laisser la preuve. Nous, au moins, on a rien à nous reprocher, mais lui, il peut découvrir. Ah mmh. Pourquoi cacher la preuve ? Je vois pas l'intérêt. Parce que t'as une chance de t'en sortir si tu lui laisses la preuve. En même temps, après, ça peut être dégénéré aussi. Ah ouais. On dirait Ryan du haut de Jackass. Dis-moi, t'as pas vu passer trois gars dans un pick-up bleu par hasard ? Sur la route ou dans le coin ? Non, désolé. J'ai rien vu. Vous vous plaisez au Desert Dream ? Oh, je me plains pas. Ouais, Joyce mène drôlement bien sa barque. Et sinon, qui d'autre voyage avec vous ? Mon père n'a pas le choix, hein. Moi je vote mon père. Mais oui, mais comment c'est comme ça ? Ah, tu vois, je sais pas si c'est je vote ou si j'ai choisi en cliquant. J'ai l'impression que je choisis quand même, malgré les votes. Bon, à part Sensei qui dit ma mère et ma fille, tous les autres, bien entendu, mon père, c'est tout, pour dire la même chose qu'on a dit au ravisseur. Les braqueurs oh, sont pas je des suis venu avec mon père. Avec bonsoir, monsieur l'agent. Ah, bah, c'est pourquoi le réhausseur, alors ? Ils n'ont pas l'air d'être si méchants que ça. Hein ? Ils essayent de c'est pas votre voiture, celle qui est immatriculée en Californie ? Mais non, ils ont un but et ils braquent pour une raison de prestige. J'ai une fille. Qu'est-ce qu'on dit là ? Toi, tu dis j'ai une fille à ce moment-là ? Ah, il peut avoir une fille et pas être avec elle. 5-5. Ah, 6-6, c'est serré. Hein. Ah, Vivi ouais. Qui fait la différence avec j'ai une fille. Oh, j'ai une fille.
elle est restée à la maison. Mais vous savez comment c'est. On oublie toujours de retirer le siège enfant. C'est vrai. On en a deux qui traînent toujours à l'arrière du Bronco. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Turok ? Oh, il est chiant, lui. Il est flic ou quoi ? Les vacances, on déménage, on est en cavale. On est en cavale, ça fait un peu le truc humoristique. Moi, j'aurais dit ça pour rigoler. Les vacances sans les enfants, ou déménage sans les enfants, ça fait bizarre. Les vacances, ouais, c'est ce qui semble plus logique. Mais on est en cavale, j'aime bien, ça me fait rigoler. Attention, 4 à 7, pour l'instant la majorité pour les vacances. On est... On part au Mexique, pour les vacances. Oh, ma femme et moi, on adore. Quelle ville ? Oh, il est chiant ! Acapulco, Guatemala, Rocky Point ou Mexico ? Bah, moi j'irai Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chante. Pourquoi Acapulco ? Ils veulent tous aller à Acapulco. Mexico. Acapulco, dit Pascal. Eh ben c'est Pascal. Acapulco. Quel dernier mot ? C'est pas la porte à côté, quand même. Oui, mais bon, j'adore conduire. Big Sam, t'es où ? Au Desert Dream, mais je m'apprête à rentrer. Bref, on recherche 3 crétins qui se sont introduits chez le shérif, aussi idiot que ça puisse paraître. Ils sont armés et dangereux. Alors, si vous entendez quoi que ce soit, vous nous appelez. T'as une idée de qui ça peut être ? Non, ils étaient tous masqués. Pour empêcher qu'on les reconnaisse, évidemment. Oh, c'est pour ça. Bon rétablissement à Joyce. Papa, maman dit que j'ai le droit de me coucher tard. Merde. T'en as mis du temps ? On a l'air con. Ah oui. Ah là, on a l'air con. Une minute, vous êtes ? Oh merde. Je suis sa femme. Ah, on a foutu. Il y a un souci ? Vous êtes un... Ok. Hashtag je croyais que vous étiez seulement avec votre père. Hashtag Vince, rembobine. Qu'est-ce qui se passe ? Hashtag rembobine. Il faut qu'on s'en aille. Il y a des fugitifs en cavale. Rien. Pouah, on a mis le bordel. Qu'est-ce qu'on va répondre ? Hashtag 3 pour Size. Oh là là, ben non, il est seul, il va se faire... Pouah, mais bah après, ouais. Est-ce qu'ils vont oser tirer sur un flic ? C'est chaud, là, tout le monde vote. Ils disent la vérité, ils se sentent pris au piège. Moi, j'aurais dit rien, pour voir un peu ce qui se passe par la suite. Mais pour l'instant, il y a des fugitifs en cavale. Il y a des fugitifs en cavale. Oh non. J'ai mon clavier qui est lâché. Maman, regarde, j'ai trouvé... Le clavier qui est lâché. Il a parlé que ça. Ton clavier qui a lâché ? C'est l'ordinateur. Ça revient. Oh, ça tombe bien, elle l'a cherché partout. Je croyais qu'elle était alitée. C'est du sang, ça ? Dites, vous êtes sûr que tout va bien ? Je me pose la même question. Ouais, on dirait des acteurs. Ouais. On dit, vous êtes sûr que tout va bien ? Oui ou à l'aide ? Hashtag 10 pour oui, hashtag 11 pour Aled. C'est trop fort comme soirée. 26 spectateurs, merci à vous. Franchement, c'est trop rigolo. N'hésitez pas, hein. Il y a plus de spectateurs que de personnes sur le chat. N'hésitez pas à jouer avec juste un hashtag en fonction du choix que vous voulez faire, tout simplement. Arcania qui dit web. Serré là, c'est serré. C'est Pascal qui a eu le dernier. Si j'avais vu quoi que ce soit, je vous le dirais. Ah, Nico, ton micro est un peu fort. Centrale, ici 1742. Je pense que je peux essayer de le baisser. Il se passe quelque chose de suspect dans le coin. J'ai besoin de renforts. Là, j'ai fait un test. C'est bon ou pas ? Ils ont tiré où ? Oh, c'est pas vrai. Oh. Oh bah lui, eux, ils sont dans la merde. Ils ont tiré sur le shérif, ils ont tiré sur un flic. T'as menti au sujet de ta famille ? Et t'essaies de nous balancer en plus ? Ouais, fermé parce que...
C'est bon, je l'ai eu. Vite, attention. C'est bon, je l'ai eu aussi. Il y avait personne derrière, j'espère. Pitié, non. Mêle-toi de tes affaires. C'est bon. J'arrive à résister, t'inquiète. Je pied sur le côté. Là, je la joue à la John Wick. Vas-y, je le démontre. Je la joue à la John Wick. Quel pouvoir de ce coup. Tire. Lâche-moi. Il a chopé sa femme. Maman. Oh là là, tiens, tiens. Stress. On dirait que t'as plus peur de tenir un flingue. Dis-lui de la lâcher. Il a buté un flic. Si je fais ça, on n'est plus dans une impasse. Vince. Moi, vous feriez peut-être mieux de baisser cette arme. Et si tu gardais tes jouets pour une fois? C'est vraiment ça que tu veux? Devant ta gamine? Tirer sur Tyler? Alors là, par contre, on se rend, on tire. Moi, je tire, elle, gros fumier. On se lâche. On se lâche. Sai s'y tire. Sensei, il se rend. Tommy Vary, il se rend. Bah, attends, ouais. Le chacal. Toi, tu tires à Waniko. Pascal aussi tire. Oui. Ah, Adeline, toi, tu trembles. Vous osez pas tirer, ah ouais. C'est serré, hein. Je tirerai devant Jade. Bah, je tirerai pas devant Jade. Ouais, c'est vrai que je vais la traumatiser. Mais à un moment donné, faut calmer le truc, là. Ça part trop loin. Tu lui tournes la tête de se boucher les oreilles, c'est bon, quoi. Alors, famille avant tout, on a... En trait de caractère, on est brave. Par contre, en style de jeu, on est tête en l'air. Bah ouais, ça c'est moi, je suis tête en l'air. Et on a fini le chapitre 20. Bah écoutez, c'est sympa, mais ça met le stress, franchement. Mm-hmm. Alors, ton premier jeu en live, ça te fait quoi? Demain, t'ouvres une chaîne Twitch? Non. Non, là, j'ai rien à faire, ça va. Bon, là, c'est cool. Pour une première expérience de live, c'est rigolo. Si on avait regardé Grey's Anatomy, on n'aurait pas pu faire hashtag 2, hashtag 3. Là, au moins, c'est possible. Très cool. Il tire, la femme meurt. C'est chaud, très cool. Il n'y a plus de balles dans le pistolet. Hello, famille de geeks, petit coucou. Eh ben, salut, Nicolas Bobile. C'est super sympa comme style. Eh, franchement, moi, je suis méga fan du concept. Ah, moi, j'adore. Vous imaginez, il devrait en faire plus. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus de ce jeu. Le concept de faire jouer le chat, il est complètement dingue. En plus, c'est plus rigolo, tu fais ça tout seul. Bon, bah c'est cool, t'as vu un film, mais là, plusieurs, c'est rigolo. Tu dis, non, je veux carrément aller là. Allez, vas-y, on va essayer de dire en masse et tout. Je trouve que la proposition, elle est dingue. Ouais, Philippos, il dit, c'est génial, cette option Twitch. Et franchement, c'est dommage que ce soit pas compatible YouTube, mais bon, on va pas se plaindre. Là, c'est compatible. Et n'hésitez pas à le faire aussi en famille ou entre amis. Vous recevez des gens à la maison, ils installent sur leur smartphone l'application As Dusk Fall qui est gratuite. C'est un compagnon. Quand vous lancez le jeu en multi, il vous met un code, vous tapez le code sur votre smartphone et en fait, ils peuvent faire le 1, 2, 3. Ils ont les choix qui apparaissent sur l'écran. C'est trop, trop bien. Donc, jouable en famille, jouable en local, en multi-local et multi-internet ou les deux. Donc, vous pouvez même avoir des gens sur le chat, des gens sur le téléphone, des gens sur le jeu. Enfin, c'est full option multi. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup alors que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, 22h16, on fait un deuxième chapitre et on arrête là. T'es prête? Oui. Allez. C'est parti. Alors là, on voit tous les embranchements. C'est complètement... Alors, tricher au jeu de mémoire. Il n'y a que 19% des gens dans le monde qui ont fait le même choix que nous de tricher. C'est fort, ça, hein? Il y a 45% des gens qui sont restés neutres dans la voiture. 90% des gens ne pas agacer Joyce. Ça va, les gens, ils sont plutôt... Ici, de l'autre côté, 39, 60... Ah, là, 29. Ouais, elle a appelé les secours, c'est de ma faute, j'étais nul aussi. J'avoue que là, j'ai été nul. Ah, c'est dingue, toutes les possibilités. Là, tu vois les embranchements, t'as vu? Ah ouais, ça peut aller loin, tu vois. Regarde, après, si je dézoome... Waouh. C'est bien d'avoir... Là, il n'y a que 9% pas réussi à calmer Zeus. Bah ouais, c'est quand de ma faute, j'ai lâché Zeus. Mais moi, je veux vous faire une partie originale. Comme ça, si vous y jouez, vous y jouerez différemment. Let's go. Je suis hypé pour le faire en entier maintenant. Il est top, le jeu, en fait. Mais ouais, il est vachement top. Ouais. Big Sam est mort, 31%. Vas-y, Nico. Le coup, là, avec la gamine, où on a triché pour voir le nombre d'étoiles qu'il y avait sur son... Ouais. Sur son...
Donc, quand on a récupéré les clés au motel, elle a fait la petite remarque comme quoi le père... On peut pas lui faire confiance parce qu'il triche. Ah ouais, c'est dingue. Ah, donc, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas triché, tu vois? Autre embranchement. Allez, chapitre suivant, on est parti, let's go. C'est trop bien. Tu peux jouer ou pas? Quoi? Toi, tu peux jouer? Bon, moi, je m'en fous. Mais je crois que je choisis, moi. Je peux outrepasser le chat. J'ai une histoire complètement différente, il dit Diablo Harlow. C'est dingue, hein? Moi aussi, personnellement, je... C'est juste trop bien de pouvoir interagir. Je suis d'accord avec Piven. Moi aussi, je ferai ma propre session. Ouais, c'est clair qu'en plus, quelque part, on se le fait en live, mais après, chacun peut suivre son aventure à sa sauce. Mmh. Appuyez pour commencer. Et au moins, quand vous referez le jeu, vous direz, pff, mais il n'y a que pitié pour relâcher le chien. Faut rester concentré. En fait, là, c'est chiant avec le chat parce que tu... Non, je sais pas faire de choses à la fois. Putain, j'ai plus de balles. Sérieusement, t'étais prêt à me tirer dessus, à bout portant avec un fusil, devant toute ta famille. Oh punaise. Il était pas chargé. Oh là 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 là. Non, mais t'en savais rien. Toi, t'étais prêt à le faire. Ouais, je suis d'accord, Sensei. Le concept, il est énorme. C'est qui, Fef Sensei? C'est chiant quand c'est pas les mêmes pseudos que sur... Et Fred. C'est Fred Henry. Ah, Fred Henry. Alors attention, c'est ta faute pour ma famille, je n'ai pas réfléchi. Vite, vite, on vote. C'est ta faute, hashtag 10. Pour ma famille, hashtag 11, je n'ai pas réfléchi, hashtag 12. Oh là là, c'est stressant ce jeu. Bah ouais, pour ma famille. Oh là là. T'as voulu kidnapper ma femme. Tu croyais quoi? Que j'allais rester planté là sans rien faire? Del, prends le sac. On se tire de là. Bien. Oh merde, les gars. Ah, se tirer. On n'ira nulle part. Et merde. C'est Dante. Il va nous sortir de là. C'est Dante. J'ai pas autant confiance en lui que toi. Vous allez déchirer. Shérif du comté de Turok. Mais vous me connaissez déjà, petit merdeux. La bonne nouvelle, c'est qu'en Arizona, le cambriolage est un crime de classe 3. Vous auriez dû vous en tirer avec un avertissement. La mauvaise, on prend nos chers. Vous avez été assez con pour choisir ma maison. Et vous m'avez tiré dessus. Si j'avais pas eu mon gilet pare-balles. Comment ils nous ont trouvés? Quelqu'un a appelé les flics. Turok. Jay, vérifie que c'est fermé derrière. Ah ouais, c'est Fred Andrinza. Si vous avez un sans soit peu de jugeote, vous allez me faire gagner du temps et vous rendre. Surveillez le téléphone. Je vous appellerai pour négocier votre édition. On va pas discuter avec ce connard. Hein? Coburn à Big Sam, réponds s'il te plaît. Oh bah. Mets-le derrière. Et détruis son Tokiwoki. Il est mort, hein, non? Bah. Je pensais qu'il l'aurait peut-être blessé, mais non, il est mort. Là, il est mort. Voilà. Mais Dante va nous faire sortir. Il a un caractère bien trempé, un peu trop même. Il lâchera pas l'affaire. Red is dead. Red is dead. Vous le connaissez bien? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'ils vont négocier? Je vous le fais avec la voix de Solid Snake. Vous le connaissez bien? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'ils vont négocier? Des formations de l'ancien live. Ouais, vous avez l'air de bien le connaître. C'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Je me demande s'il sait que Ash est pas là ce soir. Ash, c'est votre fils? Ouais. C'est ma plus grande réussite. On va se faire tirer comme des lapins si on reste là. Moi, je dis, on suit le plan et on emmène un otage. Le portail de derrière est cadenassé. Personne peut rentrer. Tyler, je sais pas
Peut-être qu'on ferait mieux de... Tais-toi. Romero a aucune patience. Et les flics du coin seraient même pas fichus d'attraper un rhume. Mieux vaut attendre ici. Non, non, mais... Vous comptez décrocher ? Les policiers vont vous attraper. Bim. Et vous irez en prison. Tu te calmes ou je te mets au coin. J'adore hey ça aussi. Je t'interdis de parler comme ça à ma petite fille. Elle a 6 ans. Elle dit ce qu'elle pense, c'est tout. Ouais, je dis ce que je pense. Stop. Le prochain qui parle finit dans le bureau du fond. Il y a un autre téléphone derrière. Si vous contactez Dante sans être repéré. Nouveau follow, Ashtam. Merci, Ashtam. Insulter Tyler, le défier calmement. Raconter une blague. Ouais, moi je suis du genre à sortir des blagues, mais... Moi j'aurais envie de le défier calmement. Alors, hashtag 10, vous lui racontez une blague. Hashtag 11, vous le défiez calmement. Hashtag 12, vous l'insultez. Oh, Philippos est en mode rebelle. Il insulte, Philippos. Il sait qu'à l'école, il n'y a pas le droit, donc là il dit, allez, c'est bon. Pas à l'école ce soir, c'est les vacances. Vous n'en verrez personne dans ce bureau. Crois-moi, voilà, je vais le faire. Je veux pas te vexer, mais je trouve que tu brasses beaucoup d'air. Ok, j'en ai marre, à l'arrière. J'adore. Non, nous séparez pas. Je trouve que tu brasses beaucoup d'air. Il va se taire, promis. Michel, ça va. Non, ça va pas du tout. Y a rien qui va. En fait, vous méritez d'aller au coin tous les deux. Jay, assure-toi que personne décroche ce téléphone. Lui, il y a moyen de le détourner, le jeune. Il y a moyen. C'est le moins. Ouais. Puis il a fait une boulette. Il... C'est un bon. Mais il a surtout suivi le mouvement. Ils ont. J'avais intérêt à la boucler. M'obligez pas à revenir vous voir. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Il y a un autre téléphone. Si jamais le shérif rappelle. Bien vu. Tu peux te libérer. J'y arrive pas. C'est trop serré. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'en frottant. Ou alors, on utilise des ciseaux. Ou on utilise des ciseaux. Tu crois que tu peux faire tomber le poids crayon ? Ah bah ça va s'entendre aussi. Essaye d'abord en frottant, peut-être. Hop ! Ouf ! Eh hey, coup de souris, okay. Là, t'as vu, j'ai eu une seconde. Ils vont l'entendre. Ça va tomber. Tu peux couvrir le bruit ? Il y a combien de chapitres ? Je sais pas, la durée de vie, elle est à peu près de 6 heures, hein. C'est long, hein. On essaiera de faire en deux lives, si vous voulez. On verra bien. Après, chacun peut le faire. Hein. L'idée, si c'est les flics qui vont continuer. Vous me direz, on verra à la fin. Vous me direz si ça vous donne envie de continuer. Tu peux attraper les ciseaux. Peut-être que la durée de vie aussi dépend des choix que tu fais sur la réponse. Mais à première vue, c'est environ 6 heures. Ce qui est beau tout, ce qui est beaucoup. Hein. Ah putain, j'ai réussi. Pouah, c'est chaud. Vite, je vais bloquer la porte. Comme un fou sur la souris. Hein. C'est bon, je suis au désert, Dream Motel. Est-ce que vous pouvez me passer, shérif? C'est le shérif Romero qui est à l'appareil. Je m'appelle Vincent Walker et je... Excellent, ça. Ma famille et moi, on est retenus en otage. Hola, hola, doucement, Vince. Je vais vous aider. Mais d'abord, il va falloir vous détendre, d'accord? J'ai pas beaucoup de temps. Oh, c'est quoi, c'est... Bon, faut que je sache. Il est où, mon adjoint? Ils l'ont tué. Il est mort. Allô? Il s'appelait Big Sam. C'était un mec bien. Est-ce que vous avez toutes les informations à me donner ? Bah, mon père est malade, Zoé est terrorisée, les employés vont bien. Leur nom, c'est Holt. Bah, moi, je donnerai leur nom. Enfin, là, faut être objectif. Objectif. Il faut pas, quand on appelle les services d'urgence, faut jamais parler d'émotion. Faut toujours être objectif sur les faits. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit en formation. Le maximum d'informations. Il faut donner l'adresse. Il faut dire combien de personnes. Nos ravisseurs. Ils sont 3. Parfait. La gérante les a appelés les frères Holt, je crois. Très bien. Oh, merde. Ah. Eh ben, ça explique pas mal de choses. Oui, c'est-à-dire? C'est une longue histoire. Oh. Mais elle va se terminer ce soir. Autre chose? C'est bien. Continue. Tyler est aux commandes.
Dale est un psychopathe, l'un d'eux est encore un ado. Mon père est malade, Zoé est terrorisée, les employés vont bien. Qu'est-ce qu'on dit ? Diablo qui continue de dire que Zoé est terrorisée. C'est vrai qu'il y a une enfant, faut qu'il le sache. L'un d'eux est encore un ado, c'est bien aussi, parce que tu essayes déjà de protéger l'un d'entre eux. Je vois que tout le monde s'emballe avec des employés du motel. J'ai une fille de 6 ans, Zoé. Ouais, bon. Elle n'est pas blessée, mais elle a vu tellement de choses aujourd'hui. Ah, serre-toi contre moi. On va la tirer de là, d'accord ? Ok, d'accord. Hé ! Ils ont bloqué la porte ! Et bim ! Merde, Vince, la porte va pas tenir ! Tyler est aux commandes, Dale est un psychopathe, l'un d'eux est encore un ado, mon père est malade. Peut-être mon père est malade pour montrer que c'est urgent, non ? Parce que... Après, Tyler, Dale et machin, bon, c'est bien aussi, hein, mais... Mon père est malade, si jamais il a besoin de soins, il va appeler une ambulance ou quelque chose. Ah, là, c'est très divisé, il y en a tous les côtés. Vous votez, mon père est malade, mais Tyler est aux commandes aussi, c'est vrai. Qui est-ce qui va prendre la... Attention, qui est-ce qui va faire le choix ? Et c'est toi, t'as fait le choix. Mon père, dire que son père est malade. Il a une tumeur au cerveau. Il est pas vraiment blessé, mais avec le stress... Je comprends. On va le faire sortir, d'accord ? Y'a égalité, hein ? J'ai plus beaucoup de temps. Écoutez, vite. Tout ça sera fini plus vite que vous le croyez. En attendant, vous ouvrez l'œil, d'accord ? La prochaine fois que tu causes un otage dans mon dos, je l'emmène à la fenêtre et je le bute. Dis à tes gars de rester à 30 mètres du motel. Et c'est pas de rappeler. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Tout. Faut lui mettre le stress. Rien, il sait très bien qu'on lui a dit quelque chose. Rien, ça fait j'ai peur. Moi, je le regarde dans les yeux, je lui dis tout. Pour le déstabiliser. Allez, on est fous, les gars. Diablo, il est serein, hein, Diablo. Moi, je lui dis, vas-y, on lui a tout dit, mange. Quatre pareils. T'as raison, Nico, ah ouais. Je leur ai dit ce qui se passe ici. Bim. Que c'est un coup des Holt. Merde. Ouf, tu vois. Les flics bossent peut-être pour le comté, mais c'est à lui qu'ils obéissent. Et il en a rien à foutre de qui que ce soit. Tu peux parler. C'était une idée stupide de vous laisser ensemble. Arrête ! Ça fait mal ! Vous auriez jamais dû venir à Turok. Oh, merde. Turok, il y a des dinosaures en plus. Le jeu est bloqué en 30 FPS, on s'en fout en fait. As Dusk Falls. Ça veut dire quoi, As Dusk Falls ? Tombe ? Dusk, c'est quoi ? Que les... Alors, comme les doutes voyons. Tombent. Non, c'est pas les doutes. As vous étiez mécano dans l'aéronautique depuis 12 ans. Un vrai mal alpha. Pas trop mal payé. Ouais. Mais un jour, bam, des bouts de moteur plein le hangar. Deux employés à l'hôpital et un autre à la morgue. Tout ça parce que vous avez oublié de visser un écrou sur un DC-10. Non, c'était pas ma faute. La poussière qui tombe, c'était un compresseur défaillant. La compagnie voulait réduire les coûts. Je les ai avertis, mais... Il n'empêche que c'est leur parole contre la vôtre. Un conseil. Signez le formulaire. Prenez l'argent. C'est une offre généreuse. C'est une clause de discrétion. Si je signe ça, ma carrière est finie. Écoutez, gardez votre chèque. Ça paierait même pas un an de loyer. Tout ce que je veux, c'est reprendre le travail. Monsieur Walker, sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Alors... Prenez ce stylo et signez. C'est dans votre intérêt. Que des chacals. On signe ou on renverse le bureau ? Moi, je renverse le bureau, je lui dis va chier, de toute façon, ma carrière est finie. Qu'est-ce que tu veux que je te signe un truc ? Il est hors de question que je signe ce qui est faux. Que c'est quoi le papier qui doit signer ? De quoi ? C'est quoi le papier qui doit signer ? C'est un truc comme quoi il reconnaît avoir fait des torts dans son boulot alors qu'il n'a rien fait. En gros, on lui donne un chèque s'il dit que s'il prend de l'argent et il dit que c'est lui qui a fait la faute. Mais sa carrière, elle est finie s'il signe. Mm-hmm. Personne ne signe, allez, c'est bien. Votre papier, tiens. Et votre stylo aussi. Résistons.
Mais c'est que vous avez encore du répondant, on dirait. Le chapitre, voir combien de pourcentage en signé. Merde. Une boule dans la citrouille, comme dit José. Fais-tu valser, maître Mulqueux. Allô? Désolé, j'imagine que c'est au milieu des cartons. Je viens de récupérer Zoé à la piscine, on rentre bientôt. Oh là là. Tout se passe bien? Oui, oui, c'est juste que... Virer, mais ça va. Je viens de faire un rêve trop bizarre. Je me retrouvais dans le cabinet de l'avocat... T'as fait un rêve? Ah, c'est un rêve. En pleine journée? En fait, j'étais en train de ranger et je rêvassais en pensant à notre nouvelle vie dans le Missouri. L'important, c'est que ce soit clean avant la visite du proprio. Je m'en sais un gros changement et beaucoup mais de stress, 98, mais... juste avant qu'on vienne. J'ai un bon pressentiment, Vince. Mmh. On sera là vers 7 heures. Je vais ramener du chinois. Zoé! Désolée, faut que j'y aille. Ok, à plus... Noah, il y a des trucs famille de geeks sur notre tête, je sais pas comment on les enlève. J'y crois pas, je me suis endormi. Ok mec, t'as jusqu'à 7 heures pour ranger l'appart et finir les cartons. Par où on commence? Allez, on va ranger l'appart. Allez, alors on commence par quoi? Regarder la météo, ranger les photos, faire les cartons, aller dehors. Déjà on devrait faire la vaisselle, elle serait contente. On va voir un petit peu qui est organisé sur le chat. Adeline, elle fait la vaisselle. Diablo aussi. On fait la vaisselle, ça va tout de suite, elle sera contente. Au Philippos, il prépare un dessert. Ça veut dire que j'ai pas envie de me taper la vaisselle. Piven, il répare la clim. On reconnaît le manuel. Sensei, il se casse, il va se promener. Mamie, elle fait la vaisselle aussi. Voilà. Mais c'est quoi ça? Oh punaise, il faut que je fasse la vaisselle. Attention. Il va me demander de faire quoi? J'ai frotté là. Alors, qui sait qui sait faire la vaisselle? Oh, tu sais bien faire la vaisselle. On sent la maîtrise. Eh. Punaise, j'ai jamais fait aussi bien la vaisselle. Tu as pété la vaisselle. Maintenant, tu sais comment on fait. Maintenant, tu sais comment on fait. Vite, 15 secondes. Moi je dirais qu'il faut ouais peut-être réparer la clim, elle serait contente. Vaisselle et clim, ça veut dire j'ai fait le ménage, j'ai fait de la technique. Plus 2, pour l'instant on répare la clim. Ok, si c'est comme le climatiseur d'un cockpit, ça devrait être à peu près par là. Bon, ça m'a tout l'air d'être une technologie extraterrestre. Attention, parce que moi je suis pas forcément technicien. Et voilà! Rafraîchissant, alors, délicat, voilà. Une bouffée d'air pur, la clim par Vince. Ok, ça avance pas trop mal. Et maintenant? Maintenant, on fait quoi? Moi, il faut faire les cartons. Elle dirait, c'est bien, t'as fait des cartons en plus. Faire non, un mais dessert, tu fais les cartons sans ranger les photos? On va ranger les photos d'abord. Allez! On range les photos ou on fait les cartons? Attention, il y a du monde là. Jiff, il fait les cartons. Qui est-ce qui regarde la météo? Qui c'est qui regarde la météo? Mamie Gaming, elle en a. Mamie, elle dit c'est bon. Ouais. Vas-y, j'ai fait la vaisselle, j'ai réparé la clim. Maintenant, je regarde la météo. Je vais me faire une petite partie de console, elle dit Mamie. Mamie, elle laisse tout à Maddy. Ouais, elle dit Maddy, va faire les cartons. Il y a des rêves qui moi, ne se réalisent jamais. Télé. Elle te fera un dessert, ouais. C'est vrai en plus. Si on a tout fait, elle fera un bon dessert, peut-être. Il nous reste un peu de temps, là, on a été chaud. Allez, c'est la dernière ligne droite. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, on range les photos. Bon, range les photos quand même. Hein. Range les photos. Voilà. Mamie Nova nous dit mettre que. Mais oui, voilà, Mamie elle dit mais oui. Ah là c'est très. Ah non, ranger les photos en majorité. José est la dalle. José, tu vois, il fait moi je vais me faire un petit dessert quand même. Il y a moyen de voir ce que c'est. Alors est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on range? Non, on range. C'est bon, les photos, on les a déjà vues, elles sont oh, sur le mode depuis 22 ans. Regarde les photos, c'est bien la différence oh là, entre un homme femmes, et une femme. Bah les voilà. Non, ouais. On les range, on les a déjà vues, c'est 22 ans qu'elles sont non, là. Moi je regarde. Y'a raison, Piven, allez Diablo, tout dans le carton.
Adeline, Kat, voilà. Les hommes, ils mettent dans le carton. Les femmes, elles regardent. Et mamie, qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Mamie, Vivi, elle regarde les photos, tu vois, c'est marrant, oui, hein. Mamie, elle regarde la météo, c'est toute ma vie. Elle même pas voté, elle prend la météo, elle dit, allez, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas à rafraîchir si vous trouvez que le délai est trop court. Regardez la météo ou aller dehors ou faire un dessert. Non, pour faire un petit dessert. Ouf, moi je crois aller dehors, hein. J'ai pas envie de faire un dessert. Allez, pour José. Pour faire plaisir à José, j'aurais peut-être fait un dessert. Sheila, elle va venir. En plus, je suis sûr elle va kiffer. On va faire une petite charlotte au chocolat. Dessert, dessert. Puis Vanier, comme moi, il va aller prendre l'air. Vivi, dessert. On se croirait dans les Sims, en fait. On avait fait des entremets au chocolat le jour de l'emménagement. Chocolat et pudding. J'adore. On va se faire plaisir avant de partir. Et elle va râler parce qu'on n'a pas fait la vaisselle. Eh, hey, on les connaît, les femmes. Ouais, t'as foutu le bordel dans la cuisine alors que tu aurais fait tout. Non, sois fort, Vince. Résiste à l'appel du chocolat. Je trouve pas le hashtag sur mon Mac. Papa ! Fais sur le smartphone. Coucou, ma puce. Alors, ta dernière journée. Une tarte citron comme celle de Pascal. Lily m'a donné son adresse, mais elle va me manquer. Oui, je comprends. Pascal, y a c'est un grand changement pour tout le monde. On lui écrira dès qu'on sera arrivé à Saint-Louis. Ça y est, bon, il faut que je donne un coup de main à maman. Tu vas te mettre en pyjama? Alors, tu viendras me mettre au lit ce soir? Bien sûr, ma puce. En disant, t'as foutu le bordel avec ton plat, là. T'as travaillé dur aujourd'hui. Ah. Alors, j'ai pris ton plat préféré. Ah. C'est à la crevette. Au fait, les déménageurs ont appelé? C'est quoi ce truc? Non. T'as la crevette. Génial! T'as déjà tout fait? Elle est contente, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une blague? Ou on est honnête? Je comprends pas bien. Ouais, la blague, faut voir la blague. Mamie, elle est honnête. Oh, Philippe, se fait une blague. Toi aussi, Nico, tu fais une blague, là? Ouais, ouais. La petite blague pour détendre l'atmosphère. Allez, en majorité. Oh, Bella s'est abonnée à la chaîne. Eh ben, t'as Jeff qui te dit bienvenue. Vince et compagnie, bienvenue, à votre service. Et oui, bien sûr que la maison accepte pas les pourboires. Voter, t'en fais peut-être un peu trop, là. Bella. Ah, on sait jamais. Oh, si mon nouveau boulot se passe mal, j'aurai plus qu'à vivre des allocs. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand le centre des impôts m'a renvoyé? Oublie pas de faire une razzia dans les placards en partant. Non. Tu m'as dit que le changement ne rend malheureux que si on y résiste. Et tu avais raison. Si j'avais pas été licenciée, j'aurais jamais fini mon doctorat, ni décroché un poste à l'université. Je vois. Il faut se concentrer sur le positif. Et c'est pour ça que j'ai fait... Oh, des entremets au chocolat. Tadam! Il y a Maître Miko qui dit, je viens de voir que mon frère est sur le chat. En fait, c'est Lala. Oh, je meurs de faim. Zoé a déjà mangé, mais moi, j'ai rien le temps d'avaler. Sea of Thieves. Je vais la mettre au lit pendant que tu manges tes nouilles. Pirate légendaire. Allez, viens enfiler ton pyjama. Alors, comment tu te sens? Ça te fait quoi de déménager? Hâte d'être à demain? J'ai rêvé que les déménageurs, ils avaient volé ma lampe étoile. Et j'avais très très peur. Parce que j'arrive pas à dormir dans le noir. Tu sais quoi? J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. À propos de quelque chose qui me tracasse beaucoup. T'as peur du noir aussi? Non, mais tu sais, des fois, les rêves qu'on fait, ils sont pas là pour rien. Ils nous disent des choses. Ah, comme je quoi pas de cuisine. Alors, c'est normal d'avoir peur ou il faut affronter ses peurs? C'est normal d'avoir peur, on dit à une petite fille. Ah, Kat, voilà, et au Philippos, il faut affronter ses peurs. Ah, je t'aime aussi.
majorité, c'est normal d'avoir peur. On a tous peur de quelque chose. Du noir, par exemple. Mais c'est pas grave. Il faut apprendre à vivre avec. Et parfois, un beau jour, on se rend compte qu'on n'a plus peur. Alors, quand je serai grande, j'aurai peut-être plus besoin de ma lampe étoile. Essaie de dormir. Et là, après, tu la laisses dans le noir, tu éteins la lumière, tu t'en vas. Ouais. Bon. Je t'aime grand comme l'univers. Oh. Moi aussi. C'est beau. Oh, j'espère vraiment que les déménageurs seront là demain. Ça leur coûtait rien de confirmer leur venue. Elle est déjà couchée. Bien joué. Je ferais mieux d'aller lui faire un bisou avant qu'elle s'endorme. Je suis pas mauvais comme acteur. Ma gueule passe bien en roman photo. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Jif. Il y a un truc. Ah, bah, Jif, bah tiens, justement. Mais tu nous avais caché des choses, Jif. Non, mais il y a un truc, c'est vrai. Nouveau message. Ton sourire va me manquer, Chouquette. Un dernier verre ? Qui c'est, Bruce ? Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Chouquette, en plus, il l'appelle. Punaise, il l'appelait Chouquette. Pourquoi il n'y a plus de lumière ? Oui, en moins gros et mieux rasé. Ça arrive tout le temps. C'est pas une panne, c'est ce connard de shérif. Del, tu montes la garde. On dirait la fille de Tony Stark. Je t'aime plus que trop. Il faut vraiment que je sorte là. Bruce Banner. J'ai peur du noir. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fouille le bureau, on examine la fenêtre, on examine la porte. Qu'est-ce qu'on fait ? La porte, hashtag 1. On fouille le bureau, hashtag 2. On examine la fenêtre, hashtag 3. Jay, vite. Viens. Je vais m'occuper de toi. Attention, c'est serré. Hé, toi ! Il doit bien y avoir un générateur. Pour l'instant, on n'est plus sur le bureau en majorité. Il y en a un dehors, mais il est HS. Mais il y a pas mal de monde sur la fenêtre aussi. Je vais essayer de toucher au commutateur de transfert manuel. Va voir. Bon, ça, c'est le bureau. Une épargne. C'est trop fort de voir les pseudos, je trouve. Ah ouais, Nico ? C'est dingue de voir les pseudos. Ouais, excellent. Ouais. Donc, il reste la fenêtre ou la porte. La fenêtre, on va regarder un peu dehors, prendre l'air. T'as un cadavre. Pour l'instant, tout le monde regarde la fenêtre, on examine la fenêtre, voir si on peut pas effectivement sortir par là. Bon, la majorité. La majorité, pour l'instant, il n'y a personne qui veut de la porte. Allez, on fait péter le compteur. Vivi, la fenêtre aussi. Pas moyen de passer par là. Ah punaise, bon bah on examine la porte. Bah là ils sont marrants, hashtag 1, on a que ça, on va pas faire hashtag 2, vas-y je vote hashtag 1 aussi moi. Là c'est nul. Oui, il n'y a plus qu'un choix. Bizarre. Peut-être parce qu'il faut obligatoirement passer par la porte, si on avait fait la porte tout de suite, il se serait passé quelque chose. Je parie. Hé! Ah, attention, je dois crocheter là. Punaise. Eh, faut aller vite en plus. J'y crois pas. Ça a marché. Ça a marché. Tu vois quelque chose? Non. Il fait trop sombre. Crochetage. C'est à peine si je vous vois. Il y a Diablo qui dit ça. Prends-moi des cordes. Il faut qu'on ligote les otages. Bah, celui-là, je l'ai réussi. Hé! Hey, t'as entendu ça? Je vais voir derrière. Nouveau follow, Docteur JVTech. Salut, Docteur JVTech. Allez, joue avec nous. Hashtag 1, 2, 3. Attention. Hein. Et la peur du noir. C'est génial, ce concept. Maintenant, ils n'ont plus qu'à faire tous les livres dont nous sommes le c'est héros. C'est vous qui viennent chercher. Vous en comme êtes ça. Conscient, hein. La ferme. Je plaisante pas. Bah, puis au début, c'est choquant qu'ils se déplacent comme ça, mais on s'y fait. Hé hey. C'est pas mieux de se tirer maintenant? Deux secondes. Attention. Viens. Oh ouais, lui, il se prend pour Jason Bourne. J'ai l'impression que c'est Jason Bourne, lui. Oh, Jason Bourne. C'est moi, ma puce. C'est papa. Il va mettre une robe. J'ai vu qu'il y avait une robe. Il y avait tout, 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 tout. Chut. Pas un mot. Fais pas de bruit. Alors, hashtag on écoute ou on entre? On écoute d'abord, non? Chut, pas un mot, fais pas de bruit. On écoute d'abord, voir s'il y a quelque chose d'intéressant.
Sensei, il entre. Piven, il écoute. Ophilippos, José, Docteur Jivetek, Kat, Nico, tout le monde écoute. Maître Muque aussi, Ashtam. Vivi, elle écoute aussi, Vivi. Et Sensei, il entre. C'est perdu. On doit faire aucun bruit. Là. Allez, fais péter les photos. Du couloir. Pourquoi on est caché? Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Hé, hey, c'est moi. C'est Vince. Voilà. Je vais entrer. Papa. Je lui ai pas fait de mal. D'amadouer le je truc. Le jure. Je sais, j'ai entendu. Zoé, ça va? Papa, tu veux qu'on s'en aille d'ici? C'est bientôt fini. Est-ce qu'on lui fait un câlin? On lui fait un câlin, hashtag 3. Allez, on fait un appel en gros. Allez, hashtag 3 le câlin. Gif, tu vois, regarde Gif, c'est un nounours, Gif. Adeline le câlin, Sensei le câlin, Piven le câlin, Diablo le câlin, Docteur JVTech. Ah, qui c'est? Mamie, elle dit, allez, pas de câlin. Oh! Mamie, elle est quand devant la météo. Allez, j'ai pas fini. Oh, bah alors, Nico, pas de câlin. Et Pascal non plus. Eh bah, c'est bien. On retient. Mamie, Pascal et Nico, hey, je note. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? C'est normal d'avoir peur. Tu as le droit de câlin. Pleurer. Pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Ah. Vous pensez qu'ils vont essayer d'entrer? Le prévenir ou ne rien dire? Ha. Faut qu'on le mette en confiance. Hein. C'est un choix délicat. Soit tu dis rien, tu gardes un atout, ouais, soit tu essayes de faire un pas vers lui en lui prévenant. Mais si tu le préviens, il peut balancer. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que vous allez donner. Docteur JVTech, José. Bon, pour l'instant, tout le monde est plutôt en mode, à part Diablo, Kat. Sinon, la majorité, on le prévient. Allez, on va le prévenir. Je crois, oui. Le ça devrait plus tarder. C'est si je vais je pas aller en prison. Je peux aller à l'encontre du chat. Tu ferais bien de te cacher. Bon. Ouais, je pense que je vais m'arranger pour qu'on sorte avant. Donc c'est pas toi qui choisis. Avant que la lumière revienne. D'accord. Avec maman et papy. Bien sûr. On va pas les abandonner. En mode faites entrer l'accusé. Lui, il y a moyen. Gars, il y a un poster d'Ed Bunry en plus. Un signe. Ça va être dur. Il est vachement discret. Il a le même profil que moi. Il va avoir du mal à se cacher. Il est taillé en B comme moi, j'ai l'impression. Est-ce que ça va? Ah, tu l'as trouvé, Dieu merci. Eliolt. Ils ont dû filer par derrière. Faut qu'on parte. Fais voir tes poignets. Chaud. T'as les QTE, t'as les secondes. Non. Et toi? Aïe, aïe, aïe. C'est qui ça? C'est Jan? C'est qui ça? Ok, go! Tous à terre! Tous à terre. Tirez pas! On est des otages! Baissez-vous et bougez pas! Oh là là là. Ils sont où les criminels? La police. Sont les criminels, on sait pas. Ah, il est là. Foncez vers la porte, je vous couvre. Oh, oh, oh. Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Sanchez. Oh, bon sang. Oui, t'arrives pas, t'es caché. Faut y aller, c'est le moment ou jamais. Il y a la fumée, il y a trop de fumée. Courir, est-ce qu'on court ou est-ce qu'on reste? On court, on se casse, non? Mais il y en a un qui va se faire tirer dessus, je le sens. Le grand-père, hein. Moi je me casse, mon fou, je me casse. Rien à cirer. Ouais, Jif. Ah, on va voir, est-ce que vous êtes plutôt en mode on est rebelle? Tant pis pour le grand-père, ou est-ce qu'on est en mode on reste caché parce qu'on veut sauver tout le monde? C'est serré, 5-4, 6-5. Ah, attention, il reste 4 secondes, 7, 7, 6, 8. Ah, la décision. Allez, c'est maintenant ou jamais. Allez, on stresse. Allez, courez, courez. Oh non, Michel.
Sanchez est touché. Je savais que c'était pas une bonne idée. J'aurais jamais cru. Enculé. Cessez-le-feu. Je répète, cessez-le-feu. Sa femme. J'avais, c'était pas compliqué pourtant. Refaites ça. Et je vous jure que tout le monde repart dans un sac mortuaire. Ça fait chier. C'était évident, ouais, c'est clair, Diablo. On savait que quelqu'un, mais j'aurais jamais cru la femme. Je pensais le vieux, moi. Oh merde, elle est blessée. Elle est blessée. Oh non. Bon, voyons ça. La petite, elle a réussi à sortir ou pas? Faut l'emmener à l'hôpital. Oui, je crois, ouais. On va sauver la petite. Merde. C'est déjà bien. Non, on peut pas. Elle a quoi, maman? Oh non, elle est là, merde. Putain, vite, Joyce, on n'a pas une... Une trousse de secours? Bougez pas, je vais voir. Chut, regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Zoé, ouais, elle va bien, chérie. Elle est juste là. On dit, hein. Ta maman a besoin d'un petit peu de calme, c'est plus. Donnez-moi un coup de main. Jouquette perd du sang. Vite. J'ai failli la faire tomber. Choquette. Et à plat. Del, tâche de voir si tu peux barricader l'étage. Punaise. Fallait attendre, la team amie. Je connais ce regard. C'est grave. Lui dire la vérité ou minimiser? Non, faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux minimiser? Moi, je... enfin, c'est vrai que t'as envie de la calmer, de la rassurer. Pour pas qu'elle stresse. Elle a un tempérament peut-être à stresser. On minimise. Mamie, elle dit la vérité. On sait qu'on peut lui faire confiance à mamie. J'ai une question, j'appelle non, mamie. C'est rien. Va me dire la vérité. La balle t'a juste effleuré. Pas la peine de mentir. Vince, aidez-moi à dégager la plaie. Vite. Bon, faut négocier, faut dire laisser la sortir, aller toucher. Vous allez faire baisser votre. Ok. Je regarde ailleurs. Chaque fois que je regarde à gauche, il y a un QTE. Ça n'a pas l'air d'avoir touché un organe vital. Mais si elle continue de saigner, ça changera pas grand-chose. Vous avez une formation de secouriste? Non. Mais j'ai passé 324 jours dans la jungle au nord de Danang. Et j'en ai vu passer des blessés. Chérie, tu as un trou de balle. Quoi? J'ai pas trouvé la trousse de secours, mais voilà une pince à épiler, des compresses. On va s'occuper de vous, ma belle. Regardez, la balle est entrée dans son dos et elle est pas ressortie. Elle est toujours à l'intérieur. Faut l'extraire, non? On va pas la laisser là? Je sais pas. Si on charcute trop la plaie, ça va s'infecter. Et puis j'ai les mains qui tremblent, alors... C'est Jack Bauer. C'est vous qui allez devoir vous y coller. Je veux pas qu'elle reste là, Vince. S'il te plaît, enlève-la. Bon. Si elle demande, moi je la retirerai. Mais bon... Le problème, c'est que si tu la retires... Normalement, ils disent, hein, il faut retirer les balles. Si tu le retires et qu'elle pisse le sang encore plus... Mais bon, elle m'a dit de retirer, je vais pas... C'est elle la chef, hein, dans cette circonstance-là. Ah, c'est... Hey, comme quoi, là... Attention, pour l'instant, lui laisse la balle. Pour l'instant, lui laisse la balle. Vas-y. Retirez-lui la balle. Ah, merde, on a décidé de lui laisser. Je peux pas. On peut pas prendre ce risque. T'as entendu, c'est trop dangereux. On ferait bien de nettoyer et panser la plaie. C'est de la bonne. D'habitude, elle reste cachée. C'est de la bonne. Paul évite l'alcool. Ça fera 2 ans de sobriété en juillet. Ça va. Ça pique. Mais ça peut aller. Continue. Ok, passez-moi le châle. Ça devrait aller pour l'instant. L'alcool, on est d'accord, c'est pour la personne qui va enlever la balle. Non, non, tu la fermes et tu m'écoutes. Envoie-nous à l'hélicoptère où je commence à refroidir les otages. Voilà. Et un laissez-passer vers le Mexique. Le show, il commence à lâcher. Tu fais quoi, là? J'improvise. Elle risque vous une savez hémorragie. Pas ce que vous bah faites. Ouais. Vous avez pas été foutu de réussir votre cambriolage et vous voulez... Et un hélico. Arrête tes sermons et réponds-moi. Je vais essayer.
Mais d'abord, montrez-moi que vous êtes de bonne foi. Relâchez un otage. Bah la ouais, foi, c'est pas ma femme. Bon, on va faire dans le concret. Vous devez commencer à avoir faim. Non, on fait venir à manger, vous libérez un otage et j'appelle l'hélicoptère. Voilà. Marché conclu. Ok, des pizzas. Et pas de la pizzeria dégueu du coin, hein? Oh, le... De chez Franco. Une VG pour moi. Une VG chez... Donne-moi 20 minutes. Oh, je vais donc déporter ta... Bonne moto. Nouvelle. Quelqu'un va rentrer ce soir. Apportez-moi un snipe, que je fasse un carton sur ces deux. Avec un aigle sur le dos. Bah ouais, du coup. 2D... Two days later. Iria. Ton sourire va me manquer, Chouquette. Les déménageurs ont enfin confirmé. C'est bon. On décolle demain matin. Notre dernier coucher de soleil californien. Il y a 13 ans, je mourais d'envie de quitter Saint-Louis. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi ? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir. Si seulement il n'y avait pas autant de choses à faire. J'avoue, dit, elle te trompe, donc elle peut mourir. Il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. Allez, hop. Alors, il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. Non, divorcer les enfants. Oh, ah là là là, vous voulez tout de suite aborder le sujet qui fâche, je le vois. Kif, non. Ah là, ça y est, c'est parti. Les enfants. Sensei, les enfants. José. Oh là, vous partez, là. Et ouais, en majorité, vous voulez en savoir plus sur Chouquette. Avec un divorce aussi, c'est stressant. Comment j'ai agi ? Bon, voilà. On y est. Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas... Tu vois ? Alors, il va pécho. Qu'est-ce que tu dirais de marquer le coup ? L'embrasser, parler du texto. Alors, on va voir. Je vais regarder bien, alors. Qu'est-ce que vous allez faire ? Sensei, Jif, texto, Diablo, texto, Piven, Mamie, José, tout le monde texto. Qui est-ce qui va pécho ? Ah, Ashtami veut pécho. Il s'en fout, il dit, allez, c'est bonsoir, c'est bon. Maître Mille aussi. Bon, on le savait, on t'a entendu descendre. Il va faire un coucou ? Au fait, t'as reçu un message. Ça parlait de... Chouquette, je crois. Pourquoi t'as... Et voilà. Attends, tu lis mes messages dans mon dos ? Bien sûr que non. Je croyais que c'était le déménageur. Ouais, moi je dirais ça. Bien sûr que non. Qui c'est Bruce ? Ouais, ou qui c'est Bruce, là ? Tu pécho d'abord, ensuite tu parles du texto, il y a je viens dire bonjour, on te voit pas, là. Passe ta tête derrière nous. Voilà Zendy. Salut. Salut Zendy. Je voulais voir si c'était les déménageurs. Mais enfin, t'as pas le droit de m'espionner. Ah oh bah. Parfois, c'est personnel. Salut Zandy, dit sur ça le chat. Ça va gêner Zoé. José te dit coucou. Allô ? Ah, c'est gentil, merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Moi, je prends le téléphone, j'y ai Bruce. Tu veux qu'on se fracasse ? Je laisse terminer, toi. Mamie, elle chope le téléphone, mamie. Pour savoir ce que tu vas dire. Mamie, elle chope. Ah, ouais, écoutez, là. Ah, Pascal, il chope aussi. C'est serré, là. Pour l'instant, on la laisse terminer. Ah, 7-7 7-7, 7-7 Ah, José, il a dit excuse-moi, non. Excuse-moi, je tu savais. Permets Vince. Allô ? C'est vous, Bruce ? Vous pouvez me repasser Michel ? C'est bien Bruce, hein ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Dites, vous aimez les chouquettes ? Vince, rends-moi ça.
Tiens, il a raccroché. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi vous vous disputez? Zoé, tu devrais être au lit. J'arrive pas à dormir, même avec ma lampe étoile. Attention, ça sert le QTE pour allumer la lampe étoile. Oui, ma puce. On restera ensemble pour toujours, hein? Toi, moi et maman. Qu'est-ce qu'il fait le gros? Toujours. Allez, hein. On rassure. Ah, mamie, elle dit pourquoi? Pourquoi cette question? Oh, c'est serré encore une fois. 6, 4. C'est bien qu'il y ait du monde, ça crée du petit stress. Toujours. Voilà. Toujours. Même quand on sera vieux et grisonnant et que ce sera à toi de nous border. Il aurait dû fermer. Ah non, il voulait pas, il pouvait pas fermer. Et sinon, ce fameux Bruce. Oh, c'est juste un prof de macroéconomie. On a bossé tous les deux sur la crise financière de l'Équateur. C'est à peu près tout. Alors. C'est vrai que... Ah, il y a aussi, il te plaît. Hein. C'est vrai qu'il l'appelle sur le truc, il la rappelle sur le fixe, il a tous les numéros de téléphone. Ah, voilà Jadou, viens faire un coucou. Mets-toi derrière nous. Non. Bah si, un noyé est venu. Il est bien insistant. Tu viens Jadou? C'est quand même bizarre. Il t'envoie un texto, ensuite il appelle sur ton portable, et après sur le fixe. Attention, voilà Jadou. Il a manqué le pot de départ, il voulait me dire au revoir. Bonjour. Il est sympa, c'est tout. Il y a Nicolas qui dit coucou. Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée. On va être bien occupés après. Boire le vin, ouais. J'ai jamais refusé un verre de vin, moi. Hashtag 10. Coucou Jadou, mamie, elle dit. Oui, je sais. Coucou Jadou, José. Coucou Jadou, hello de Maître Muque. Coucou Jadou de Petit Haut. Et voilà, ça picole. Il n'y a que mamie. Mamie, elle refuse le vin. Ouais. Coucou ma puce, elle dit, mamie gaming. T'as vu? Il y a quelque chose qui m'échappe. Viens passer derrière si tu veux faire coucou. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. C'est parce que... Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière... Tu m'as dit que t'étais resté corriger des copies, mais quand t'es rentré, tu sentais le vin et le parfum. Vince, regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Est-ce que tu veux bien me croire? Elle dit mamie. Avec l'alcool, la fête est plus folle. Allez, je suis désolé ou non, il y a quelque chose qui cloche. T'as des doutes sur Chouquette? Elle voit. Mamie Gaming, elle est désolée. Ah, c'est serré là. Hein. Attention, 5-5, ça remonte pour le désolé. Oh, 5-5, attention. Il reste 2 secondes. Qui va faire la différence? Attention, attention. Ah, voilà, désolé. On ne saura pas. Excuse-moi. C'est peut-être moi qui dramatise. Oh, une capture d'écran, mais c'est que... beau, Laura. Ça ferait un beau fond d'écran. Comme tu disais, j'ai perdu beaucoup de choses cette année. Bah ouais. Et je veux pas te perdre, toi aussi. Je sais. T'en fais pas. Oh, gars. Allez, viens là. Ça te fait quoi, Lala, de voir Gif pécho fait... Regarde son téléphone, on sait jamais, parce que à partir de maintenant, je vais l'appeler Chouquette. Attends. Dès que je lui envoie un message, il est salut. Est-ce que ça va?
Oui, t'en fais pas, c'est juste que... Je suis fatigué. Avec le déménagement et tout... Ok, je vois. Oh, il fait le coup de la fatigue. On ferait mieux de dormir. Craint, là. Bah on non, a de la route à faire demain. Au-delà, de derrière, dormir. Attention. Hein. Bonne nuit. Assuré, Gaillard. Oh là là, c'est vraiment Jif. Toujours fatigué. Je couche juste avec Chouquette, c'est tout. Bon, ça lui va très bien, Chouquette. Ouais. Tu peux lui dire. Debout, va falloir qu'elle marche. Vince, je veux pas qu'on me fasse sortir. Bah si, arrête, c'est bon, on va pas nous saouler. T'es blessé. Allez. Il faut que t'ailles à l'hôpital. Je sais que j'ai l'air au bout du rouleau, mais je te jure que ça va. Pascal, regarde il là, est perso, j'y serai allé. Mais là, en sécurité, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Vous en dites quoi? Est-ce qu'elle peut tenir le coup? Non, faut la c'est sortir. C'est difficile à dire. Ah non, là, J'ai vu un peu de tout sur le terrain. Je fais un... Je m'en tape. Veto. Tu choisis un otage. Vas-y, non, on choisit la femme. Faut la faire sortir. C'est quoi son délire de vouloir rester? On envoie Michel Way à Zoé, mais ils vont pas s'attaquer à un enfant. Ils vont pas s'attaquer à un enfant. Mmh. Il reste le grand-père, il reste... Moi, je ferai sortir ma fille avant toi. Bah, c'est vrai qu'on dirait tous la fille. Maintenant, elle s'est pris une balle, la fille, elle va t'en vouloir à vie de pas avoir sorti sa mère. Elle va dire, ouais, t'as pas sorti maman. Moi, je sors la femme blessée. Si elles étaient pas blessées, je sors la fille. Mais là, blessée, tu sors la mère. Allez, si, on sort la mère. Et surtout que tu sors la mère, elle va sortir Zoé. Elle va mourir. Elle en a assez vu pour ce soir. Une balle perdue en fusillade, ça arrive. Mais maman, elle a besoin d'être soignée. Pascal et mamie, je pense que vous devez rafraîchir et répondre toujours après. Pour l'instant, le plus important, je pense, non ? C'est que tu sois en sécurité. Essayez de rafraîchir la page, peut-être. Ouais, il y a un décalage, mais ils répondent toujours en dernier. J'étais à l'œil, Vince. J'ai un petit retard. Des fois, tu rafraîchis et hop, tu gagnes une seconde. On va se revoir bon, très vite. La fille, elle est sauvée, d'accord. C'est vrai que je comprends. Je comprends ceux qui ont choisi la fille. Viens, ma puce. Mamie, elle dit, moi, je fais sortir Maddy. Mais là, elle est morte, elle signe son arrêt de mort, là. Oh là là. Hé, regarde. Voilà, elle a plus de maman. T'avais perdu ça. Je suis d'accord. Ça coupe, c'est pour ça. Ah. Vous pouvez peut-être régler la... Ça, la résolution, des fois on c'est fait, Madame Chouette. Ah oui? Tu sais, les chouettes, ça peut voir dans le noir. Ouais, merci. Elle a plus de maman. Je suis d'accord. Moi, j'aurais sorti la mère. Ok, je l'ai fait sortir. Bougez pas d'où vous êtes. Deux otages en visuel. Un homme et une fillette devant le bâtiment. Terminé. Papa? Elle va mourir, maman. Faut protéger la petite. Tu vas pas lui claquer à cette question-là. Bah oui. Tu lui dis, mais non, t'inquiète. Faut pas la braquer. Hein. Mamie, elle veut la protéger. Oh, Philippos, il va cache-lui. Hein. Bah oui, Nico. T'es d'accord, Nico? Faut la protéger. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu lui dis bien, mais ta mère elle va crever, t'inquiète. Je pense qu'elle va bien dormir le soir. Je suis à mourir. Et tu sais ce que je suis. Elle va pas souffrir. Ouais, Zoé. Un mécanicien pour les avions. T'étais censé répondre un super héros. Mais je te jure qu'aucun d'entre nous ne va mourir. J'aurais peut-être pas été jusqu'à jurer. T'approche pas plus. Je suis le shérif Romero. Et vous devez être Vince. Et toi, tu dois être Zoé, c'est ça? Conséquence. Ton papa m'a parlé de toi. Elle ne va plus dormir même... On va essayer de faire vite. Poil. Tu m'étonnes. Elle va faire un très long voyage. Papa t'aime très fort. Sois courageuse. Vois ça comme une aventure. Oh, moi je dirais... Sois courageuse, je pense que je dirais à ce moment-là. Oh, papa t'aime très fort. Mais là, ça la met sur la corde sensible, elle peut pleurer, tu vois. Alors que sois courageuse, tu la prépares à... elle est consciente que derrière, bon, ça va être dur. Je dis ce que je veux. Vois ça comme une aventure, dit Docteur Jivetek, ouais. Mais ça fait jeu.
T'as fait un peu singe. Oh, tu sais combien je t'aime, hein. Grand comme l'univers. Exactement. Alors si jamais tu as peur, je regarde le ciel pour te souvenir, d'accord? D'accord. Emmène-la dans la voiture et reste avec elle. Tu m'aimes plus que l'univers, Sandy? Non. Non? Merci. Ça, c'est fait. Papa, s'il te plaît, t'en vas pas. J'ai pas le choix, ma puce. Et si vous revenez pas, maman et toi? On aurait pris la chanson de Elsa. S'il te plaît, t'en vas pas. Il y aura toujours papy. Bon. Voilà, elle tue. Mais il y aura toujours papy. On sera toujours avec toi, ça c'est beau. Ouais. Et puis Ven, elle est marrante celle-là. T'inquiète, il y aura toujours papy. Le papy qui est mourant d'ailleurs. Le papy qui est mourant, n'oubliez pas, ne fautez pas ça. Ouais. On sera toujours avec toi, ça c'est beau. Mamie, Vivi, Kat, les femmes, elles sont là pour donner la vérité. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous, ça fait déjà partie de toi. Zendil est en mode révolution d'ado. Quoi qu'il arrive, son rebelle. Casquette. On sera toujours avec toi. C'est vrai? Toujours. Toujours. Hé, hey, maniez-vous! Viens, petite. Bye, on va arrêter à la fin du chapitre là. Embranchement. Donnez-lui la bouffe et renvoyez-le! C'est bon. Je sais à quel point c'est dur pour vous, Vince. J'en bave aussi, je dois dire. Ces petits cons m'ont tiré dessus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? On aura bientôt quelqu'un à l'intérieur. Ah. Ramasse-les et t'avise pas de faire le con. Hey, j'espère qu'il y en a une. N'oubliez pas les serviettes. C'est un beeper. Et les sauces. On se repart bientôt. Piment. Et bon appétit! D'habitude, sur le côté, il y a des sauces piment. Moi, je fais la gueule hein, s'il n'y a pas de sauce piment. Du coca au laxatif, c'est pas mal. Hey, il lui a donné quelque chose. C'est le livreur de pizza. Poche. T'es en retard. Bah, pas de pourboire. Je suis concentré en même temps. Ouais. Oh. Un flic qui tient parole. Pizza, t'as du chèque. Il va pleuvoir de la merde. La pizza, c'était pas compliqué. Mais l'hélicoptère. Je sais que tu voulais pas en arriver là. Oui, c'est vrai. Mais Romero, tu lui fais faire tout ce que tu veux. Tu gères. J'espère que t'as raison. J'ai économisé 10 ans pour me payer tout ça. Ah, je commençais tout juste à prendre ses marques. Comment on va faire maintenant? Bah, il suffira de refaire la peinture, remplacer les vitres, et ce sera comme neuf, tu vas voir. C'est pas les murs. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Tu peux cliquer là et t'auras des bonus. Tu peux faire des chats, des super chats et tout. Tu peux même nous faire danser. Tu sais que sur Twitch, ils peuvent nous demander une chanson, ils peuvent nous demander de Vince. Danser. Vince, Zoé va bien? Comment tu te sens? J'ai froid. Je suis épuisée. Mais voilà. C'est mort. Je voilà. Voudrais être à la maison. Voilà, le jukebox de Pity. Alors, Vince, est-ce que t'as vu le shérif dehors? On peut dire ça. Il est comment? Il prépare quelque chose. Il nous protégera. Il est intimidant. Hashtag 10, hashtag 11, hashtag 12. Claquer, livrer des gosses. Hypothéquer la maison. Qu'est-ce qu'ils disent? T'en vas pas. Ah ouais. S'il te plaît, t'en vas pas. Papa, le reste de ma vie, vie. Tu te rappelles? C'est un malin. S'il te plaît, t'en vas le genre à pondre des plans super tordus, tu vois. Je vais te dire une chose. Faut jamais faire confiance à un flic. Je l'ai vite compris, ça. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de pas trop s'en mêler. Le répétez pas, mais Dante, c'est mon cousin. Et vous savez quoi? Personne dans la famille s'est réjoui quand il est devenu shérif. Ah. Tu fais quoi? Je compte le fric. Jay, tu comptes manger? Non. J'ai pas faim. Je veux qu'on en finisse, Tyler. Avec tout ça. Ça sera fini quand on aura gagné.
Mets-toi ça dans le crâne. Et fais ce qu'on te dit. Et tâche de manger un peu. Famille de flics. Vince, can I count on you? C'est discret. Oui, pas question, peut-être. C'est vachement discret. Peut-être, je dirais, parce que il me saoule avec son beeper déjà vachement discret. Là, tiens, un truc dans la poche. Bon, on s'est déjà fait pêcher avec un téléphone tout à l'heure. Donc, oui. Ah, là, on voit la majorité du chat, c'est oui. Ah, Sensei, il dit non. Sensei, il dit non. Il me saoule avec ton beeper. Peut-être, il dit Nico. La sagesse. Yes. Hey. Ça te dirait pas de nous en donner un peu? Ils m'ont volé un carnet noir. Ouais. Un carnet noir. Non. Non, ça me dit pas, non. Comment ça? T'es sérieux? T'es sourde ou quoi? Je vous filerai rien, j'ai dit. Ah ouais, le flic, il a quelque chose à se reprocher. Donc. Il faut trouver son carnet, mais où? C'est un flic. Si quelqu'un me voit. Oh là là. Essayez de les amadouer. Pourquoi on pourrait pas en avoir? Il y a 6 pizzas. Un scénario manichéen. C'est pour nous. Alors cassez-vous. T'es qu'un salaud. Paul fait de l'hypoglycémie. C'est pas grave. Je vais me prendre un truc au distributeur. En fait, à la fin, il se barre j'ai avec dit non. Les agresseurs. Alors c'est non. Et la... et elle. Réclamer de la pizza ou respecter Dale. Qu'est-ce que vous faites là? Dale, moi, je le trouve pas net, hein, donc j'ai pas envie de le chauffer, lui. Mamie, voilà. Nicolas Perret, Ophilippa, Sensei, ils veulent tous de la pizza, ils crèvent la dalle. Ouais. 23h19, Ptio, c'est sûr, Ptio, 23h19, il bouffe toutes les nuits, il mange à minuit, donc c'est clair, il veut une pizza. Vivi aussi. Sois sympa, partage un peu. Tu peux vraiment pas te mêler de tes oignons, toi. Pourquoi je ferais ça? Hein? Moi, j'emploierai la raison sur ce coup-là. C'est pas le moment de blaguer, c'est pas le moment de réclamer, il a l'arme pointée, mais je. Voilà, je tenterai la raison en lui disant non, mais attends, on va. Je préfère qu'on meure de faim. Qu'est-ce que t'en penses? 6 personnes. Hashtag, il veut sa pizza. Il fait pas si je réclame. Et Diablo, il fait la blague. Si tu leur donnes une ou deux parts, ils te ficheront la paix. Voilà. J'ai pas besoin de tes conseils pour me démerder. Pigé? Ils te prennent la tête? T'inquiète. Je gère. Oh, merde. Désolé. Quel abruti. Et là, il tu me nettoies ça. Et boum. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu te mêles de tout. Si t'avais fermé ta gueule dès le début, on serait déjà parti. Hashtag Domino's Pizza. J'avais pas vu ça comme ça. Ce que tu piches pas, c'est qu'on n'est pas alors, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? On a besoin de fric. Mais Genèse. C'est pas comme si. Tyler, il veut bâtir des trucs. Et Jay, il adore la nature. Moi, c'est vrai que j'ai braqué un magasin de spiritueux. Mais je vais bientôt avoir un boulot. Et puis. C'est pas là. Enfin, je sais pas si Jessica voudra sortir avec moi après tout ce bordel. Faire mine d'être intéressé, raconter une blague, le charrier, compatir. Moi, je ferais mine d'être intéressé pour le divertir. Hashtag 13. Hashtag 13 pour Adeline. Diablo, il fait une blague, Maître Muqueux, pareil. On tente la technique, nous, du filou. Kat aussi. Ah, Nicolas Perry, il veut le charrier, il sort la petite blague. Mamie, elle compatit avec José. Ils sont tellement gentils aussi, Mamie et José. Ils compatissent, ils écoutent. Cette fille-là, Jessica, tu veux bien me parler d'elle? Bah non. Qu'est-ce que tu crois, pauvre type? C'est mes affaires et ça regarde personne d'autre. Alors touche à ton cul et redis plus jamais son nom. Oh. Hey, je voulais juste... Quoi? Tu voulais être mon pote? Va chier dans ta caisse, abruti. Alors du coup... Pas de pizza pour nous. Je crois que c'est mort pour la pizza. Oh, j'avais pas si faim que ça. Merde, on a raté la pizza pourtant, on a été cool, je trouve.
Salut, Sama. Ça hashtag bien ou pas? Ouais, ça hashtag. T'as mon hélicoptère? Ouais, c'est bon. La FAA vous autorise à circuler entre Mexicali et El Paso. Mais avant que j'autorise l'atterrissage, j'aimerais bien qu'on ait une discussion au sujet de votre petite visite chez moi. En face à face et à l'extérieur. Sinon, on arrête tout. Ouais. À quoi il joue, là? C'est un piège? Peut-être. Mais pour l'instant, on doit jouer à son petit jeu. Je peux y aller, moi? On a des trucs à se dire, tous les deux. Non, j'ai promis à maman de veiller sur toi. T'inquiète. Je suis un grand garçon, tu sais. Si tu tentes quoi que ce soit, c'est les otages qui prennent. Tout ira bien. Tu as ma parole. Faut se rapprocher du gamin. Hé, hey, livreur de pizza, on va faire un tour dehors. Hé, hey, dites à Dante qu'il a intérêt à nous faire sortir de là. Punaise. T'es obligé de m'étrangler comme ça? C'est pas ma faute si t'as un coup énorme. Hé, hey, je sors! Putain. J'ai tellement hâte de me casser au soleil. Vivement les tamales et la tequila. Alors, est-ce qu'on lui dit tu seras bientôt tranquille, hashtag 1, ou tu te fais des films, hashtag 2? Docteur JVTEC, GIF, Piven, pour l'instant tout le monde, tu te fais des films. Ah, Diablo, maître muqueux, tu seras bientôt tranquille. José, Ophilippos, tu te fais des films. Majoritairement, tu te fais des films. On passe à 11 votes pour tu te fais des films. 12, ouais, c'est parti pour tu te fais des films. Jamais ils vous laisseront quitter le pays. T'en es conscient? Hé, hey, je t'emmerde. Ferme ta gueule. S'il te plaît, reviens sain et sauf. Salut. Dale Holt. Je m'attendais à voir ton frère. Eh non, surprise. Tranquillo, c'est pour Vince. De la morphine. Pour ta femme. Il a un Benetton transparent. J'ai vu la mienne souffrir des années. Tu seras content d'avoir ça sous la main. Ok. Prends-la. Merci. Je t'ai jamais remercié pour mon épaule. Je visais le cœur, mais t'en as pas. J'avais oublié. Il lui a rendu quoi, j'ai pas vu. Et dire que t'étais qu'une petite frappe jusqu'ici. Une agression il y a quelques années, de la petite délinquance de temps en temps. Mais là, vous avez fait très fort sur ce coup, les gars. J'ai fait mieux que ça, Tokar. J'ai pissé dans ta citronnade. Bref. Vous m'avez pris quelque chose, il me semble. Ouais. Ton fric. Pas seulement. Mon carnet noir. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu me baves? Arrête de jouer au con! Approche encore, et je te jure que je lui fais sauter la tête. Dis-moi où il est. Je t'ai déjà dit. Je sais pas de quoi tu parles. Tant pis pour toi. C'était ça ce petit coup indisé. Oh là! Snipe! Quoi, ils vont le tuer? Ne pas l'avertir, avertir Dale. Moi, j'avertis pas. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'avertis pas. Ah, Samagaga, il avertit pas. Piven, il avertit. Non, non, ça sert à rien de se rapprocher de ce mec-là. T'as vu comment il nous envoie chier comme une merde? Il y a aucun moyen de se rapprocher de lui. Comment t'en as déjà un des trois? Tu les refroidis direct. Allez, 4, mamie aussi. Oh, Nicolas, t'es un gentil, toi, Nico. Ah ouais. Ouais, tu peux lui dire fais gaffe ou. Oh, le jeu, il y va. Hein. Cible abattue, je répète, cible abattue. Oh. Ah bah là tu vas tirer hein, bah, c'est sûr. Ah oui, quand même. C'est sûr qu'elle est tirée, elle va tirer sur toi. Oh putain de merde. Ouais, on a d'autres sorties. Cessez le feu.
Ok, vas-y. Vite, cours jusqu'à la porte. Attendez, quoi? C'est ouais, pas fini. Trouve mon carnet. Ils ne l'ont pas, ton carnet. Moi, je reste tout ce qui t'importe. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton carnet, là? C'est louche, son carnet. Lui, c'est un chacal, en fait. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de fric? Ouais, ouais, c'est un truand. Sa femme, elle va arriver en fauteuil roulant, elle va carnet lui foutre un coup de fusil à pompe. Sérieusement, c'est votre priorité, là? C'est notre priorité à tous les deux, Vince. Oublie pas ça. Tu ferais mieux d'y retourner. Quoi? Putain, il passe à Paul. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es sérieux, là? Pourquoi t'es revenu? Parce que ma famille est là! C'est ta faute s'il est mort! Ça, ça fait mal. J'ai mal pour Jeff. Hey! C'est pas sa faute! C'est toi le responsable, Tyler. T'as laissé ton frère sortir. Ce qui est top avec ce jeu, c'est que c'est si tu cherches un coupable, t'as qu'à te regarder dans le miroir. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Mmh. Tu gagnes une jouabilité de dingue. Dans les valseuses. Non. Faites de rire. Bye bye. Tyler. Ouais. Hashtag valseuse. Hashtag ripou. Oh là là. Il est cru le jeu. Bon ouais, mais comment on pouvait la sauver, nous? Attends, on fait des décisions. Bah, chiantes. On aurait dû prévenir. Oh, moi j'aurais pas prévenu, hein. T'as vu comment il fout? Moi j'aurais pas prévenu, honnêtement. Il allait se venger. Ouais, fallait se douter qu'il tire dans le cœur, mais... Punaise. J'ai entendu un coup de feu. Oh là là. Vous n'avez pas pensé aux conséquences. Vous dites petit. Mon Dieu, son fils. Ah ouais. Trouve le carnet où il y aura d'autres victimes. Oh là là. C'est chaud. Hein. T'as pas les mêmes couleurs que toi, Fella? Je sais pas. J'ai la même couleur. Un petit yo, il y a un. Non, il y a un. Je sais pas pourquoi ils ont des couleurs différentes. Fella, ils sont abonnés, je pense, avec les couleurs. Pour changer, ils peuvent avoir accès à des items spécifiques. Et ben voilà, qu'est-ce que cache ce carnet? Sûrement un flic corrompu, t'as du caca dans tes rognons. Petite vite US de merde. Tous des pourris, petite ville, bah ouais. Bah écoutez, on va arrêter là pour ce soir, 23h30, je pense que c'est bien. Moi j'ai deux questions. La première, c'est savoir si ça vous a plu. J'ai envie de savoir sur le chat si ça vous a plu. Et la deuxième, très honnêtement, pas pour nous faire plaisir, mais est-ce que vous préférez le faire de votre côté la suite? Auquel cas, bah, nous, on le fera aussi de notre côté la suite sur la télé ou quoi. Ou est-ce que vous préférez qu'on fasse, qu'on continue à le faire tous ensemble, je sais pas, moi, jeudi ou dimanche, dites-moi un petit peu. Moi, je le continuerai de mon côté, parce que j'ai commencé, mais avec des totalement différents. Ce que je vois là, Bah ouais, c'est normal, c'est pour ça, si chacun veut le faire de son façon. Alors, en live, nous dit Jeff, c'était génial, c'est cool de le faire ensemble, nous c'était génial, la suite ensemble. Bah non, on continue ça ensemble, je pense que ça rajoute un truc, on continue ensemble. Bon bah, écoutez, je crois pour l'instant, on est parti pour le faire ensemble. Est-ce que toi, t'as bien aimé ton premier live? T'es devenue une Twitcheuse. C'est un jeu vidéo. Ouais, non, j'ai besoin d'appuyer, j'ai pas besoin de réfléchir tant que ça. Est-ce que tu préfères qu'on fasse ça jeudi ou dimanche? Ou un autre jour? Dimanche peut-être. Dimanche. Eh ben on fait ça dimanche prochain? Ou jeudi, n'importe où tu veux. Dis-moi. Jeudi? Jeudi, ça vous convient? Si on fait ça jeudi? Oui, oui. Dites-moi. Jeudi 21h, dites-moi sur le chat.
un petit ok, un petit pouce pour nous dire si ça vous convient. Ou dimanche, Pascal, il dit dimanche. Dimanche ok pour je. Ouais, dimanche, tu préfères. Bon. Ma chère et tendre à voter, dimanche. En plus, l'avantage du dimanche, c'est que c'est habituellement la Radio Geek, on a l'habitude. Effectivement, dimanche soir, au moins. Voilà, plus le dimanche. Eh ben, on dit dimanche prochain. Moi, je n'y joue plus. Donc là, je fais quoi? Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? La famille avant tout, on est aimable, on a des bons réflexes. Voilà, alors là, on retrouve un peu au chapitre 2 les différentes possibilités qu'on a faites. Alors, attends, est-ce que ça, c'était le chapitre 1? J'essaye de retrouver. Ou non, ça, c'est tout le chapitre 2. Donc, on a eu. Je regarde où est-ce qu'on a été vraiment différent de la masse. Ah, ici. Michel a répondu à l'appel, a parlé à Bruce. Ah, tu vois, nous on a parlé à Bruce, il y en a beaucoup qui n'ont pas parlé à Bruce. Bah oui. Nous on a dit, c'est qui Bruce ? Et là-bas, Vince et Jim et Michel blessés. En fait, nous on a la fin de merde. Ils sont tous pétés. Ils sont morts ou blessés. Le prochain live, il va durer 10 minutes. On va finir. Et 22%. On est seulement 22% à avoir réussi à tous les blesser. Et ben chapeau à vous. Merci pour cette belle expérience. Dimanche, c'est top, nous dit Ophilippos. Dimanche, c'est bien aussi. Yes, je serai en congé. Ah bah parfait, Pascal. Alors dimanche, c'est sûr. Allez, dimanche, on va avoir un succès. Le pire scénario, c'est clair. Et ben moi, je vous dis à dimanche. Franchement, c'était cool. N'hésitez pas. J'en parlerai un petit peu parce que plus on est de fous, plus on riche. Je trouve que c'est ça qui est bien dans cette soirée, surprenant cette arborescence Quantic Dream-esque. Ça ressemble énormément au jeu de Quantic Dream. Énormément. C'est ce qu'on aime hein, chez Quantic Dream. Sauf que là, effectivement, le côté relation, connexion avec le chat, je trouve ça génial. Merci, mamie. Bonne nuit au Philippos. Bonne nuit, Piven, Rabzouz, José. Il y a Sensei. Il y a Nico Treff, hein, Pascal. Et j'en passe plein, il y a Vivi qui était là, il y a notre Samagaga qui est passé faire un coucou, il y a Maître Muqueux, il y a Lala avec Gif, enfin non, pas Gif, Chouquette. Chouquette était à côté de nous, on est tout trouble en plus. C'est le moment d'arrêter, il y avait Ashtam aussi, j'ai vu, il y a le Diablo qui a déjà fini le jeu, il y a Ptio, Philippos, Docteur JVTech, et j'en oublie plein. Mais en tout cas, c'était vachement cool de faire ça avec vous. Salut à tous, c'était excellent. Et bien, à dimanche prochain. Et bonne nuit tout le monde. Bon courage pour celles et ceux qui, comme nous, bossent demain matin. Mais vraiment, on a hâte de revenir dimanche. Ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi jouer sur mobile en cloud. Ouais, c'est clair. Très bon live, super sympa. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous. Belle nuit, Nico Treff. Et bien, écoute, Nico, à bientôt. À très bientôt. Nous, on se bonne soirée à tous. Après, de toute façon, dans 5 secondes. Je reviens de manger au bord de la mer et je finis sur un jeu. Ben voilà, Nicolas Perret. Et nous, on est en train de partir, tu vois. On est en train de disparaître, on est tout flou. Attends, là, c'est chiant la webcam quand elle est floue comme ça. Normalement, ça marche quand je mets ma main là. Ben, ça ne marche pas cette nuit. En tout cas, moi, j'essaye de partir de l'autre côté, de quitter le jeu et de vous dire bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Oui, Pascal, vivement le DLC.